Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le stream.fr, bienvenue sur cette émission Yu-Gi-Oh! J'en suis accompagné, oh là là, de mon meilleur pote, Xari, et On a dit qu'on se touchait pas. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et de, bien sûr, Doc7 et Jacques-Yves qui nous font le plaisir d'être présents aujourd'hui. Comment ça va, les gars? C'est là la mienne, moi. Okay. Ouais, ça se partage les cams. Bah, comment ça va? Bah ça va bien, toi? Ouais, ça va, tranquille. J'ai vu que vous avez ramené des decks. Ouais. Doc, t'en as ramené un, je crois, et Jacques-Yves plusieurs. Ouais, j'en ai ramené deux, trois, ouais. Très bien, très bien. J'ai monté entre hier soir et ce matin. Ok, ça va être très très bon. Donc, Doc7, normalement, vous le connaissez parce qu'on a déjà fait des vidéos ensemble. Vous le connaissez de par sa chaîne YouTube, il est déjà venu ici. Okay, Jacques-Yves, c'est une superstar. Comment? On le connaît parce que c'est une méga star. On peut le dire, on peut le dire. C'est une méga star. Jacques-Yves, normalement, vous le connaissez si vous regardez le Yugi Show sur la chaîne de New Titeuf. Mais tu es aussi, t'as un lien assez direct avec Yu-Gi-Oh! Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais dans la vraie vie? Alors, dans la vraie vie, pour faire court, moi, je suis l'organisateur officiel du Yu-Gi-Oh! Francophone en Europe. Donc ça veut dire que rien que ça, voilà, on se calme. Très bien. En gros, voilà, je m'occupe d'organiser tout ce qui est événements, animations, avec les magasins, tous les magasins qui organisent du jeu et les associations sur la France, la Belgique, le Luxembourg. Maintenant, on relance un petit peu l'Algérie également. D'accord. Voilà. Ok, voilà, très bien. Donc, si on veut faire un tournoi, c'est avec toi qu'on doit s'arranger. C'est ça. Et si on veut des cartes gratuites, encore plus, comme. Enfin, non. Non. donc, Jacques-Yves, t'es. Enfin, moi, je te connais parce que tu fais des decks, tu crées des decks. Aujourd'hui, tu en as ramené trois de ta création. Doc voulait venir aussi tester un petit deck. Donc, je vous propose directement qu'on entame cette émission avec un duel Doc7 versus Jacques-Yves. Messieurs, je vous laisse. Voilà. Je vous laisse. Oula. Sachant que, donc Jacques-Yves, toi, tu as monté un peu ton deck selon un peu les règles de l'émission, c'est-à-dire c'est du rétro. Il y a quelques cartes bannies, machin. Moi, c'est vrai qu'il y a des cartes un peu nouvelles, ouais, mais il n'y a pas de synchro, il n'y a pas de X6, tout ça. Il n'y a pas, tu vois. Interdit, on a dit. C'est interdit. À partir de quelle date précisément? Non, contre Jacques-Yves, tu peux y aller, mais contre tous, sera interdit. Ah, ça va. Non, mais contre toi, t'inquiète pas. Moi, j'ai été sympa, vous voyez, j'ai même pas ramené un seul extra deck. Ah. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Je joue complètement sans extra deck. Il y a un sacré extra deck du côté. C'est un sacré extra deck. Regarde, c'est un extra deck de fusion. Je sais pas où est-ce qu'on peut mettre, où est-ce qu'on doit mettre la caméra aujourd'hui. Nice. Alors, si tu veux faire un zoom sur les cartes, quel endroit c'est juste ici. Dans ce sens-là, ah, c'est voilà. Ici. Tu vois, on est non, c'est pas celui-là, c'est à côté. Ah non, c'est là. Voilà, plus jamais tu me contredis, ok. Bah, en tout cas, belle. Oh là là, ça brille, oh c'est du MRD. Oh, regarde, oh là là, voilà. Donc, c'est un extra deck uniquement composé de belles fusions. Il voilà. Y a des fusions bizarres, mais bon. Ah non, c'est que des fusions. Mais bon, ouais, ok. Non, mais j'ai vu. Il y a des fusions bizarres, mais il y a des fusions vachement old school. Donc on verra ce que ton deck va donner. Tu connais très bien ce deck. Oui, mais les gens chez vous, normalement, vous connaissez peut-être pas ce deck. Je vous laisse shuffle vos decks, faire le pile ou face. Là où ton protège card, par contre, tu le sors d'où? Il a peint manuellement sur chaque protège. Non. En vrai, il est stylé de ouf. Parce ouais, que hein. Nous, on a des vieux dredge cards, gros, c'est plus la mort, rien de ça. Non, c'est pas vrai, arrête, il en a des beaux, Zoulou. Ouais, il en a des beaux. Le celui de Kaiba et tout, ils sont trop beaux. Il en a des beaux, mais celui-là, il est quand même plus beau que tous ceux qu'on a, quoi. Bah, et puis, t'as vu celle. Ouais, mais oh moi, je là préfère... là, oh, c'est joli. Est-ce que tu peux le montrer? Est-ce que tu peux positionner? Moi, je préfère le ninja, là. Non, non, elle est belle. Hein. Elle est belle, mais le ninja, il est pas mal. Et donc, ça se trouve où? Parce qu'on peut. Ça se trouve exclusivement au Japon. Eh oui. C'est un de mes collègues qui m'a ramené ça justement d'un voyage au Japon. S'il y a des viewers qui sont actuellement au Japon, vous m'envoyez un message, je vous fais un virement PayPal, vous m'achetez 12 000 sleeves, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai besoin de sleeves. J'ai 12 000 fois la même sleeve et les mêmes sleeves et ça m'embête, quoi. Ton Kaiba, il est beau, franchement. Ouais, c'est vrai. Bah, alors, bon, le Kaiba, ça m'a été offert par un ami qui était parti au Japon. Donc voilà, c'est la même histoire. Tu ne piocheras pas cette carte voilà, en premier. Doc qui coupe toujours la première carte. Hein. Donc à savoir, on va lancer voilà, celui qui fait le plus grand, celui qui fait le plus grand commence. À savoir qu'étant donné qu'on joue en rétro, le premier joueur pioche la sixième carte. Quoi? Oh, ça on m'avait pas dit dans la règle de deck building, c'est encore plus intéressant. Ah, c'est bon pour toi? Ah bah, on est dans la version de l'anime. Ah, hein. Bah là, non mais là, je le connais lui. Là, je pense que je vais commencer du coup. C'est un deck full piège, je suis sûr encore. Je vais commencer. Hein, donc je connais absolument pas le deck de Jacques-Yves. Ah, ça c'est parfait ça.
Oh là là. Je sens que je vais me faire laminer. Oh, ça c'est beau, oh, j'ai ça. J'ai déjà vu des trucs assez. Ça c'est très bien les decks du coup. Hein, ça c'est une très très belle main. Hein, c'est vrai. Commencer. Bon. Il a pas voulu me dire qu'on quoi. Il connaît par cœur le mien, mais il a pas voulu me dire le sien. Bah, allez, je vais commencer par une petite charité gracieuse, hein, parce qu'on m'a dit que j'avais le droit de jouer des cartes bannies. Hein, allez, alors, vas-y, ça marche. Donc on y va. Chez nous c'est pas banni. Banni n'existe pas. On y va. On pioche quelques cartes et on va en remettre deux. C'est pas deux de celles que tu viens de piocher, non? Non, non, c'est deux cartes. Essaye de réécrire un peu les règles. Non, on sait jamais. Essaye pas de t'arranger. Attention, comme, Doc. Comme il te sied. Donc, du coup, je vais peut-être. Je continue de te la péter, je vous oublie, y'a pas de soucis. Mais là, mais je pensais que j'en avais 28. Donc, je vais me défausser d'un bouc émissaire et d'un dévoreur de niveau. Quoi? Qui est banni récemment. Quoi? Ok, c'est que t'as vraiment une bonne main pour te. Pour virer ça, non? On sait pas. Alors, à quand la rediff de la semaine passée? Alors, je vais poser. Ça va arriver, ça va arriver. Quelques cartes face cachée. Parce que j'ai pas choisi des pochettes pour rien. D'accord, très bon. Est-ce que donc, là, tu n'as plus rien, main. Est-ce que je peux prendre un violon orage qui traîne par là, peut-être? Oui. C'est refusé. Ah, très bien. Quoi? Oui. Tes cartes magie piège, glisse-les tous vers la droite, étant donné que on va nous insérer êtes là, c'est ça à cet endroit. Voilà. Vous voulez que je les mette là comme ça? Ouais. C'est mieux. Okay. Et c'est à moi de jouer. Pas de soucis. Je joue déjà. Par contre, on nous voit pas, hein, David. Non, mais c'est juste que nous, on n'a pas le retour, je crois. Ah, on a. Je vais expliquer un petit peu mes cartes, d'accord? Ok. Je joue donc une carte qui s'appelle l'absorption de l'âme. Ouais. Qui en gros, dès qu'une carte est bannie, moi je gagne 500 points de vie. C'est une carte continue, c'est très agréable, c'est très sympathique, donc je joue ça. Je joue ensuite. Et des mecs sont très bons dans le jeu. Le sarcophage doré, qui me permet d'aller prendre une carte de mon deck, la bannir, et je la récupérerai dans ma main pendant 2 tours. Et ça dans passe deux ou pas tours. Ça passe. Oui, ça dans 2 tours. C'est déjà ce que tu vas chercher. Alors, à votre avis, qui va gagner? Ouh, on a. Bah, Jacques-Yves, il a gagné là, regarde. Il ah, Jacques-Yves, quatre... attends, c'est fini, Jacques-Yves. Il, l'autre, il va faire un monstre avec 45 000 points d'attaque et il va faire cylindre magique et c'est terminé. C'est tellement ça, mon gars. Ça va être tellement ça, regarde-le. Il est content. Je vois pas ce que tu veux dire. Il est content. Donc. Mais attends, j'ai pas fini là. Je vais peut-être faire l'effet de ton visage nécro. Non, mais oui, très bien, oui, vas-y. Bah, je sais pas, peut-être toi aussi. Alors, visage nécro, donc, quand il est banni, on doit chacun bannir 5 cartes de notre deck. Excuse-moi. Yes. Voilà. Dégueulasse. Hein. Elle est pas très très belle, c'est vrai. Donc on bannit chacun 5 cartes. Oh le changement de cœur qui s'en va. Ouh là là, ça est la tristesse. Ouh un obélisque qui s'en va. Oh c'est quoi ce deck? T'en as 5 non? Oh le pot. Oh là là, deux belles cartes bannies qui s'en vont comme ça là. Un petit pot à 5€ qui vient d'être banni ici du côté de Jacques-Yves. Et donc, vu que 11 cartes ont été bannies, je gagne 5500 points de vie. S'il vous plaît, en régie. Oh, ah oui, d'accord, ok. Ah oui, grâce à ton. Avec son absorption d'âme. Ton absorption d'âme. Ça va aussi. Tout à fait. Ça, c'est pas de la pute, ton deck, hein. Non, pas du tout, tout va bien. On se voit toujours pas en petit, mais c'est pas grave. Hein. Et je vais dire. Il me croit pas, hein. Il est venu vérifier. Vas-y, Doc. Je vais dire fin de tour. Et t'as perdu, bolos. Ouais, c'est ça, c'est exactement c'est à ce moi, que je pensais. C'est à toi, ouais. Je pioche une carte. C'est vrai que t'as plus de cartes en main. Ouais. Et je joue plus le man. C'est embêtant, hein, des fois, de plus avoir de cartes en main. Du coup, je vais flipper ma morphojar. Oh là là. Et ça avait été deviné, hein, dans le chat. C'est là qu'on voit qu'il y a des bons joueurs dans le chat. Du coup, on va se défausser de notre main. Voilà. Jacques-Yves qui ne défausse rien du tout. Et on va piocher 5 cartes. On a le seum hein, du côté de Doc. Alors qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Ouh, un mangeur de millions. Et aïe, un aïe, aïe. Battle c'est 5 cartes, c'est ça? C'est 5 cartes. Putain, je sais ce que tu joues. Tu sais ce que je joue? Tu vas faire un. Non, tu fais des livres ou pas là-dedans? Des livres? Tu fais pas des Book of Moon, des Book of Tayu, tout ça? Je fais tout ce que je veux, moi. Est-ce qu'on a un deck meul, nous hein? C'est vrai ouais, que... ouais, on a un deck meul, mais il est pas encore au point. Parce que le deck meul Morphojar avec tous les livres, bah, là, les livres de l'éclipse, les point, livres de Tayu et tout. C'est quand même éclaté, quoi. C'est vrai. Je pourrais effectivement m'amuser à ça. Non, mais ça va m'aller pour l'instant. Je vais dire que je vais être occupé avec une Morphojar à 700. Écoute, je vais accepter les dégâts. Ça me va. J'active. Ah non, c'est Doc Seven qui prend 700. C'est la première fois que je vois une attaque au Morphojar, quand même. Hein, c'est beau, hein. Donc je perds 700 points de vie. Assez rare. C'est à moi? C'est à toi. Allez, on y va.
T'actives rien là, ça va? On dirait que tu veux rien pas, on se voit. Alors que cette rencontre est vraiment une tempête hein, dans ce stade de Gaston. Pot des désirs, voilà, ça par exemple, typiquement, c'est une carte récente. Le pot des désirs. Récente est un peu forte. Hein, récente est un petit peu forte, c'est-à-dire que je bannis 10 cartes de mon deck pour piocher 2 cartes. Par contre, je les bannis face cachée, il n'y a que moi qui peux les voir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ces deux-là sont pour ma main. Et tu gagnes donc 5000 points de vie. Et je gagne donc 5000 points de vie. Oh, yo. Qu'est-ce que j'ai bien banni? Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Je savais pas que tu pouvais les voir. Bah, bien sûr, quand même. 17800 points de vie, ça paraît plutôt legit. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Oh. Et en fait, c'est marrant, on peut presque deviner que t'as un deck récent à voir le nombre de cartes que t'as dans ton deck. En fait. Bah pourquoi il y en a 40 du coup? Non, il y en a 40. Il y en a que 40? Ouais. Je le joue à 40. Mito. Tu joues à 40? Ouais, je le joue à 40. Il a l'air bien épais ton deck quand même, hein, mais. Parce que les protèges sont. Ouais, ouais. Invitation des ténèbres, c'est pas trop récent ça. Ça va. Ça passe ou pas? Donc je pioche 2 cartes et je dois bannir un monstre ténèbres. Ou sinon tu te défausses de ta main. Sinon je me défausse de ma main, c'est attends, ça. Attends, c'est une ultimate? Non, une. C'est une ultra, mais il y a l'ultimate aussi dans le deck, ne t'inquiète pas. Excuse-moi. On pioche 2 cartes et on bannit. Monsieur Necroface. Marche. Donc encore une fois, on bannit chacun 5 cartes. Face visible. Oh là 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 là. Oh là là, l'obélisque tourmenteur, le deuxième. Le deuxième. Ici hein. en gold rare, c'est ça? Ouais, ça. Sachant qu'il me reste 3 cartes dans mon deck. Et du coup, tu reprends 5000 points? Non, bah non, là 5005. Je gagne encore 5500. Ah oui, 5500. Pourquoi 5500? Parce qu'il y a le Necroface aussi. Mais le Necroface, il était banni de base. 23300, et moi je dis que. Il y a une ancienne règle à Yugi, c'est que si t'as plus de 10 000 points d'écart, t'as gagné. Ah, il est voilà. Pas bien, il transpire. Il c'est a gagné, cette règle pas tout. Tu connais pas? Non, je ne la connais pas. C'est bien dommage, enfin. Oui, c'est bien ce qui me semble pour toi. Dommage. On va se faire un petit tourbillon jumeau. Alors, explique. Alors, c'est tourbillon jumeau, je me défausse d'une carte pour détruire 2 cartes magie ou piège posées sur le terrain. C'est du 2 pour 2. C'est du 1 pour 2. C'est du 2 pour 2. C'est du 2 pour 2, c'est vrai. Donc tu payes ton cost et tu cibles. C'est de là. Alors qu'est-ce qu'on avait? Attends, ça se trouve c'est peut-être le tournant du duel ici hein. Ah. Qu'est-ce est-ce que qu'on c'est peut ce qu'on peut voir Monster Reborn et un mur dimensionnel. Ok. Monster Reborn, mais c'est nul. Pourquoi Bah pour pas les défausser. J'avais une morpho jarre que j'ai posé au premier tour. Donc le Monster Reborn, fallait pas que je le laisse dans ma main. Excuse-moi patron, excuse-moi de t'avoir offensé. Y'a pas de soucis. Plus 3, au fur, tu le fais piocher, il a perdu là. Quoi? Ah bah là, ça va peut-être être la stratégie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, vas-y. Cette carte-là que je vais, qui va arriver. Très récente aussi. On peut pas, nous. Il faut demander à Rizzo, mais nous on n'a pas l'accès. Faut demander à Romain. Pas si il est non, il est parti. Alors, désolé. Donc, je bannis 15 cartes de mon extra deck, face cachée. Comment? Pour invoquer. Comment tu le bannis? Parce que c'est un coup pour invoquer ce petit bébé qui s'appelle Mangeur de Millions. Qui n'est pas du tout une carte qui n'est pas rétro. Du tout une carte récente. Qui n'est pas du tout une carte rétro. MDR. Alors, cette carte, elle est assez forte. Pour l'invoquer, il faut bannir au minimum 5 cartes de son extra deck, de son terrain ou de sa main, au choix. Minimum 5 cartes, mais autant qu'on veut. Ensuite, ça joue sur son attaque. Son attaque, c'est 100 fois le nombre de cartes face cachée qui sont bannies. On va calculer ça ensuite. Par contre, son effet un peu cheaté, tu me dis si je me trompe, une fois par tour, si elle combat un monstre, donc soit elle attaque ou elle se fait attaquer, je peux, avant même le combat, je peux dire, bah écoute, ton monstre, il est banni. Une fois par tour. Donc même si Obélix m'attaque, si tu veux m'attaque, il est banni. Et si la si Tortue Néospatien attaque. Actuellement, c'est très joué dans les tournois. C'est la priorité. C'est très très joué. Donc là, elle a combien d'attaques? Le pauvre Jacques-Yves, je lui ai dit, alors déjà, joue que rétro, il arrive, on lui joue ça. Okay, déjà j'ai 15 cartes bannies en plus, donc ça me fait 7500. C'est ça, 15 fois 5, c'est 75. Oui. 7500 points de vie en plus, s'il vous plaît. Tu peux multiplier par 10 et faire diviser par 2 après. Oui, mais je suis pas très bon. Donc là, il y en a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il y en a 25, donc il est à 2500. 2500, ok. Ah, j'ai oublié de reprendre mon Necroface. Hein. Ouais. Ce tour-ci. C'est ce tour-ci, non? C'était effectivement ce tour-ci. Donc je peux le reprendre. Trop tard.
Oh là là, le fair play! No fun ici! Tu peux le reprendre si tu veux, moi ça me dérange pas, ça te fera pas gagner. Oh là là! De la tension ici! Ce match est une tempête! Vas-y! Si tu penses que c'est ça qui t'offrira la victoire. Tout va m'offrir la victoire contre toi. Car j'invoque le visage nécro! Okay. Les gars, vous êtes censés être en mode genre oh, oh non, mais tu l'avais. Mais quelle puissance! Le visage nécro qui renvoie toutes les cartes bannies. Exactement, le visage nécro renvoie toutes les cartes bannies sur le terrain, dans le deck ou dans l'extra deck, et gagne 100 points d'attaque par carte renvoyée. Très bien. Oh là 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 là, d'accord. Donc là, on est donc à 15. Plus c'est là, que les tiennes ou les là, siennes y en avait 10, non, les siennes aussi. Là, il y en avait 10. Ah. Moi, plus j'en ai 10 1, 2, 3, 4, 5. Et là, normalement, il y en a 5 aussi. 1, 2, 3, c'est bien comme ça, on 4, a vu 5, un peu le deck de Jackie. 6, ah, donc 15, 15. 21. 15 plus 10 plus 6. Bah 31. 31, et toi, t'en avais 10 ouais, 41. 41. Donc elle a 4100 plus son attaque de base, aka 1200. Elle est donc à 5300 d'attaque. Ça va. Très bon ça. Bon, après, ça se fait signer un bon magique et la gueule, quoi. C'est un peu ça, ouais. Mais c'est pas grave, regarde, j'ai 30 000 points de vie. Je passe après. Bon, je suppose que les gens commencent à reconnaître ton deck. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce deck a fait une phase finale d'un tournoi. Ouais. C'était quoi comme tournoi ? YCS. Il a fini combien ? Bah, il était dans le top 1. Il me semble que c'était lui même qui avait gagné. Il me semble que c'était le Grand Majou qui avait gagné justement. Okay. Il a mis 6 mois pour préparer son retour dans l'émission et ce deck. C'est pas faux. C'est vrai, ça fait un moment que tu prépares. Je vais t'attaquer avec mon joueur de mignon en activant son effet. Tu ne peux pas activer de carte piège, je suis désolé. Non, tu veux d'abord attaquer ? Oh, je sais pas trop maintenant. Tu vas proposer une déclaration d'attaque. Ouais, je veux bien te okay. proposer une déclaration d'attaque. Proposer un anneau de destruction sur ton joueur de million. Très bien, mais c'est pas grave, je perds rien parce qu'il a... Ouais, il a plus d'attaque quand il est au cimetière. Très bien. Et pourquoi t'as hésité à activer celle-là? Oh, quel bon joueur. Le main game ici qui s'installe. Je t'attaque avec visage nécro. Je m'attaque avec visage nécro. Il a combien d'attaque ton visage nécro? 5300. 5300, ça va, c'est tankable. 5300. Voilà, ça fait des après, calculs t'as ici. T'as Morfongeard et t'as 10 000. Une équation à 3 inconnus dans la tête de Jakiv ici. Ah, je réfléchis sur accepte au moins une attaque. Sur le tour suivant, je réfléchis. Que je t'enlève des points de vie. Ah, il met le doute. Non, okay. Je vais te le passer en défense. C'est décevant. Okay, c'est comme move, excuse-moi. C'est un peu. Le mec a dit ça a changé les decks rétro. Ouais, un peu. Quand Doc Seven arrive dans l'émission, ça change un peu, ouais. Non, mais honnêtement. Doc voulait tester ça. Honnêtement, voilà, c'est juste cette partie-là. Après, Doc Seven, il passe à ça. Après, en vrai, il a 82 ans, donc c'est un deck rétro. C'est un peu ça, ouais. Main phase 2. Battle phase 2, je t'attaque. Non, oui. Non, et ben à toi. Waouh. Wow. J'ai invoqué spécialement un. Non, pas lui, je refuse. Alors qu'est-ce que ça fait ça? C'est alors, juste c'est un... une forme de cylindre magique sur patte. C'est-à-dire que quand il détruit, il va infliger à l'adversaire l'attaque du monstre qui l'a détruit. D'accord. Ok, c'est vieux ça? Oui. C'est un peu ça, ouais. C'est vrai? Ok, je connais pas. Oui, c'est pas une toute nouvelle carte. Ah bah ça c'est une carte qui fait plaisir. C'est une carte qui fait plaisir. Bon. Écoutez-moi au moins. Je serais monté à plus de 30 000 points de vie. C'est vrai, c'est pas tous les jours quand même. On peut allez. Dire que ça c'est fait. Moi je vais te proposer un petit pot de cupidité. J'accepte, merci. C'est pour moi. Allez, t'as cru. Ça sera pour moi. Je vais piocher deux petites cartes pour voir un petit peu ce qui se passe. Ah. Tu vois, j'aurais dû monter ce deck en mode rétro. Donc en mettant des pots de cupidité, des trucs comme ça. Ah, ça aurait été encore, encore plus fort. Ça aurait été encore plus fort. Je vais proposer... hop. De... Hop. Est-ce que tu pourrais me faire voir ton cimetière, s'il te plaît? Ouais, mais y'a rien, Monster Reborn. Ouais. De toute façon, t'as déjà utilisé ton Monster Reborn, donc... Il y en avait peut-être deux, hein. Le talent. Alors là, non, monsieur. Le talent. Le talent. Plein de Monster Reborn. Oh, ce duel est une tempête, okay. Il n'en finit pas. Hop, je voulais... Attends, on est qu'au effet. Alors, je vais proposer de faire un sacrifice inutile. Mais comment il propose? Je te propose de te tuer lentement. Ça passe. On sait ce que tu veux ramener. On pense. Moi, je pense savoir ce que tu veux ramener. Un homme bleu. On va mettre un petit obélisque. Le tu peux pas l'invoquer, ça, depuis ton cimetière, non? Si. Si, mais il est détruit... À la fin du tour. À la fin du tour. Alors, mais il s'en fout. Oh. Est-ce que ça veut pas OTK? Par contre, à 30 000 HP, il va falloir le booster un peu. Hein. Là, malheureusement, j'aurais joué Robot Bureau, un deck actuel. Oui, là, je lui mettais les 30 000 dommages dans le tour. Il y avait aucun souci. C'est trop fort, ce truc. Ok.
Très bien. Tu ne piocheras pas ces deux cartes. Ok, ça marche. Je ne piocherai pas ces deux cartes. Ouais, il les piochera peut-être plus tard. Est-ce que je peux faire un pot de dualité dessus par contre? Oui, vas-y. Ça veut dire que. Non, attends, tu l'as fait quand ça? À la fin de ton tour. T'es sûr? Oui. Bah, évidemment. Lui qui leur défense. C'est un joueur professionnel. Voilà. Évidemment. Il va pas faire ça à son tour. Quand on joue pot de dualité, on peut pas avoir. Ça m'a l'air pas mal de prendre un appel de l'étranté, au vu de ce que je viens de mettre au cimetière. Vas-y, amuse-toi. Et c'est quoi ton truc? Il est détruit à la fin du tour? Pourquoi? Parce que il est toujours détruit à la fin du tour, Obélix. Quand il est invoqué spécialement. Okay. C'est que quand il est invoqué spécialement. Imagine, c'est le pire truc sinon. Tu l'invoques, bah il se détruit. Alors, maintenant, on va faire un petit sarcophage doré. Moi aussi, j'en ai un. Vas-y, amuse-toi. C'est pas très rétro, ça, par contre. Hein. Moi, je dis ça. C'est pas très rétro, le sarcophage doré. Si, ça passe, c'est rétro. Ah, je sais pas, je sais pas. J'ai toujours du mal, moi, avec le micro. Ah ouais? Les oreilles trop grandes. Tiens, je vais aller. Non! Un changement de cœur! Pour voir cette carte! Allez, t'as deux tours! Oui, c'est vrai, deux tours pour t'annihiler! Changement de cœur, ça fait quoi déjà? Je prends le contrôle d'un monstre adverse pour en faire ce que je veux, absolument ce que je veux. Pendant ce tour, non? Pendant ce tour. Mais bon, je peux attaquer, je peux le sacrifier. C'est un peu genre. C'est très très fort. Très, très c'est fort. Un peu fort, ouais. C'est un peu fort. Ça. C'est rétro, c'est très fort. Voilà, comme ça. Moi, quand on me dit rétro, c'est une des premières cartes que je vais mettre. Hein. J'adore l'artwork. C'est le guerrier castor déjà. Je l'ai mis dans aucun deck moi pour le coup. Mais c'était à cause. Moi franchement voilà comme je dis c'est vraiment une de mes cartes de cœur. Ah ouais, j'ai 500 points de vie en plus, merci. C'est vrai, j'ai 500 en plus. Merci. Effectivement. Alors je vais passer mon spectre Zoma en attaque. Il a combien d'attaques? Il a 1800. Ah c'est bête. Moi aussi j'ai 1800 de défense. Je sais. Je vais faire un Ririyoku sur ton visage nécro. C'est toi le Ririyoku déjà, et qu'est-ce qu'elle fait? Alors je vais diviser par deux l'attaque de ton monstre et je vais l'ajouter à ma mort Fojar. Alors. Ok. Donc quelle était l'attaque de ton visage nécro? 1200, regarde, c'est marqué là. 5300, ok. Vas-y, il a fait ton calcul tout seul en tête. Pas moi qui le fais. Donc 5300, donc il va gagner. Alors divisé par 2, ça fait 2650. Ouais, c'est ça. En plus. Donc 2650 sur 700, ça fait 3350. Exact. Tu es bien loin du compte de mes 31 000 points de vie. Y'a pas de souci. Allez, j'ai proposé d'attaquer avec Morphojar sur le visage nécro. Au revoir. Allez, salut. Ça c'est fait. J'ai posé une carte. Je vais poser une deuxième carte. Et je vais te dire à toi parce que j'ai oublié d'attaquer avec mon spectre Zoma vu que je viens de passer en main phase 2 en posant mes cartes. C'est bien dommage. C'est honnête. Non monsieur. Non. On a un petit problème de live mais on continue pour la VOD et ça repart. On est de retour. Petit pot de dualité. D'accord. Très bien, on est de retour. Ouh, voilà. Ça c'est sympa ça. J'ai bien envie de te le prendre. Qu'est-ce il a combien d'attaques du coup? 700. C'est juste à la fin. Ah, c'est juste à la fin. Oh. Bah du coup, on va reprendre un pot pour le tour prochain. À ta guise. À ta guise. Pot de dualité, nous, on peut l'utiliser qu'une seule fois par. Oui, monsieur. J'explique un petit peu. Non, pas de soucis. Il faut. Ah, ce duel, on aura pas assez d'une heure et demie pour le finir, quoi. Pot des désirs. Une carte rétro, du coup. 3-4. C'est ça. Rétro, c'est le pot tu. J'ai 5000 points en plus, s'il vous plaît, de points de vie. Et un visage nécro qui vient d'être banni. C'est vrai. Je sais, mais voilà, le talent. La lecture du jeu dans le jeu. Non, fallait bien. Hein. Combien voilà. Seulement 36 000. 36 000 et un joueur qui va mourir à la meule. C'est le pronostic. C'est quoi, non? Vas-y. Tu détruis ces deux-là? Bah oui. T'aurais pu détruire celui-là aussi. C'était quoi, on veut voir. Attends, c'est quoi déjà lui son effet? Quand il est détruit quoi? Tu as Non, attends. Ouh. Cette carte détruit ton combat, il rigolait, hein. Infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre qu'il a détruit. Po. Je te pète ces deux-là. Ok. Alors c'était quoi? Un spectre Zoma et un appel de l'étranté. Un spectre Zoma, ça me dit rien du tout. Je crois qu'il est l'heure. Bah vas-y. J'invoque Grain Majuda Isa. Ok. Alors bon là il est en allemand mais faut me faire confiance hein. Monsieur achète des cartes en allemand. Alors die attack und defense. Bon en gros il gagne 400 points d'attaque et de défense pour chacune de mes cartes bannies
il y en a 10, il a 4000 d'attaque. Ça va, c'est toi, t'as combien là? 700. Bah, bim. Ok. C'est si simple quand même ce jeu. Donc j'ai perdu 3300. Ouais, tu as perdu. Moins 3300 pour Jacques-Yves. Jacques-Yves reste un pro, il a un sang froid. Jacques-Yves, il l'a écrit à l'anglaise quoi. Jacques-Yves. C'est encore à moi de jouer. C'est toujours à toi. C'est toujours à moi. Tu es toujours en battle phase. Je suis toujours en battle phase. Ça, ouais. Ça revient pas ce tour-là, on est d'accord. On va le signifier comme ça. Donc c'est à toi. Bon, Interwheeler. Hop. Oh yo yo. Ouh, ça regarde le cimetière adverse. Ouais, moi toujours. Ouh yo yo. Est-ce qu'il y aurait pas un petit Monster Reborn en main ici? On a le droit de se poser la question. Et non, tu voulais prendre Eater of Midian. Reborn, il est déjà dans le cimetière. Hein, c'est ça. Mais il y a pas que Monster Reborn qui vole les monstres dans le cimetière de son adversaire. Tu voulais prendre Eater. Mais on ne peut pas l'invoquer spécialement, Jacques-Yves. Tu devrais le savoir, toi qui organises les tournois. Mais c'était pas le Eater, j'avais déjà été vérifié au tour d'avant. Tu le sais, les petites piques un peu là. Hop. Quand tu vas perdre. Ouais, c'est clair, je vais quand même me faire défausser. Je vais faire une destruction de main. C'est d'abord défaussé. Ouais. On envoie deux cartes depuis sa main et on pioche deux. On peut pas d'abord piocher. Non. Ça va aussi. Je sens mal et à Mars aussi. Donc c'est quoi, c'était l'unité d'action autonome qui permet aussi de faire un Monster Reborn sur le Tu veux vraiment me meuler mon deck, ça? Bah je sais pas, c'est toi qui l'a fait tout seul hein, pour l'instant. Pas mal, pas mal. Alors... Ah, on vient de t'appeler Jean-Jacques maintenant. Jean-Jacques à la classe, il faut le dire. Pas de soucis. Hop, je vais poser une carte. Donc tu vois, tu as une belle bête à 4000 pour le moment. Je rappelle qu'il y a un changement de cœur hein, qui va arriver dans un tour dans la main de Jacques-Yves. Mais va-t-il réussir à le Je vais activer un jardin infernal. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le jardin infernal... Oh, il y a un prix Goncourt sur la carte, là. Ça, c'est une très très grosse carte. Hein. Alors, à savoir, ça fait... Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement, leur attaque est divisée par deux. Et on invoque spécialement un monstre, un jeton plante, de niveau 2 à 800-800, sur le terrain de son adversaire. Ok. Donc ouais. Quand tu vas invoquer un monstre, je vais mettre un jeton. Spécialement. Normalement ou spécialement. Ok. Je vais avoir un jeton qui va apparaître sur mon terrain. Okay. Et ton monstre qui va avoir son attaque défense divisé par deux. Ok. Et après ça, je peux sacrifier des monstres plantes depuis mon terrain pour invoquer spécialement un monstre de type plante depuis mon terrain. Ça on s'en fout à la limite. Ça on s'en fiche. Ok. Et c'est pour tous les deux. Oui. Donc si toi t'invoques Obélisque à 4000, il est divisé par deux et il y a un jeton à moi. C'est ça. Et ce jeton là, s'il est détruit, il se passe rien. Okay. Non. Okay. Et je vais mettre mon Zoma en défense. Ok, c'est à moi. C'est à toi. J'aime pas ce regard. Regarde comment il te fixe. Hey, joue bien le mind game. Ah là, le jeu psychologique, c'est important. Alors qu'en c'est, vrai, ça fait partie de. Ça vidéo. Fait partie de l'affrontement, du duel. Bah oui. Look at my eyes. Tu sais qu'il y avait une époque. Enfin, c'est peut-être certainement plus le cas dans Yu-Gi-Oh. Mais avec les gorges. Hein. Avec les gorges, ça. T'as un Monster Reborn. Pas mal. Les gorges, c'est quoi les gorges? Monster Reborn. Ouh, Monster Reborn en ultra, en LDD. Oh là là, ça invoque Obélisque le tourmenteur ici. Donc, je vais recevoir un jeton. Et il est à 2000 d'attaque du coup. C'est ça. Et 13 combien de points de vie? 4700. 4700. Et lui, il a combien de défense? 500. Mais gros, tu crois vraiment que tu vas te... Donc, je vais mettre un autre jeton. Ah, mais c'est bâtard, ça, tes jetons. Mais c'est invoque SP, pas invoque normal. Non, c'est invoque normal SP. Oh. Oh, ok. Ah oui, c'est tout l'intérêt de la carte. C'est vraiment le jardin infernal. Ok. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ok, pas mal. Du coup, il a aussi 4000, l'autre. Ah non, il a 2000, là. C'est ça. On va le détruire avec lui. De quoi? Ton spectre Zoma. D'accord. Donc, je perds 2000. C'est ça. Donc moins 2000 pour Doc Seven qui passe à seulement 34000 HP. Ça passe. Tu as détruit mon jeton. Tu as détruit mon autre jeton. Alors attends, parce que là, faut réfléchir, parce que là tu vas prendre ça le tour d'après et je vais pleurer ma mère. C'est toutes les cartes bannies en jeu le Great Majou, c'est seulement les tiennes. Mais attends, ça va partir à ton cimetière. Le tour d'après, tu me prends ça, il a zéro d'attaque, t'as pas de carte bannie. Tout va bien. Il est tellement serein. Je suis pas bien, mon gars. Tellement d'une mèche là. J'ai tellement d'une mèche. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Bah justement, j'ai dit, est-ce que
Est-ce que c'est juste tes cartes bannies ou... Non, c'est juste les siennes. Ouais. C'est à toi. Ok, obélisque au cimetière. Obélisque au cimetière. Putain, là, il y a de la tension, les gars. Je pioche une carte. Je sais que je vais perdre déjà. J'aimerais juste. Je vais récupérer. Comment tu peux avoir tout ce que t'as sur le terrain? Mais parce qu'il me fait peur, bordel! Le mec a un deck méta, un deck qui a fait top 1 au dernier YS, et le mec il stresse, il trempe face à un deck rétro. C'est beau! Ce match est une tempête! Apparemment, 1200 et moins 3200. Les jetons ils sont en mode attaque? Ah! Ça changerait tout. Ah! Effectivement, ils étaient en attaque. Oh! Autant pour moi, autant pour moi. Ils ont combien d'attaques? Bah 800. Du coup, ils. Bah donc t'as perdu? C'est ça? Bah non. Parfait alors. Pourquoi oui. 4400? Parce bah que oui. 4000. Oh non, il y en a un qui a 2000. Il y en a un qui a que 2000. Il y en a qui a 2000 vu qu'il a son attaque qui est divisée par deux. Et oui. Donc du coup, ouais, il. Non, c'est lui qui a 2000. Non, les deux. Mais l'autre aussi, tu l'as invoqué, gros. Lui, il a 2000. Tu viens de l'invoquer après le jardin infernal. Donc en gros, tu perds 3200 et 1200. Donc en gros, autant il te reste 300. Pour moi. Ouais. Il te reste 300. Il perd 4400 en tout. Allez, putain, et il va revenir avec ses 34300. Je crois en l'âme des cartes. Je crois en ton deck. Une conscription. C'est quoi? Tu révèles la carte du dessus, si c'est un monstre, je l'invoque spécialement sur mon terrain. Non. Allez. Et sinon, il se passe quoi? Bah sinon, tu l'ajoutes à ta main. C'est vrai? Ouais. Je crois en l'âme de mon grand-père. Conscription, c'est pas mal ça. Même si, genre si c'est un mangeur off million, il est invoqué quand même. Non. Alors, prenez la carte du dessus, faut qu'il puisse être invoqué par invocation normale, et je l'invoque spécialement. Donc le mangeur de million... Hey, oh là là, c'est la pire beau, que tu ça. Ça avoir. C'est beau ça. Alors mais qu'est-ce c'est que c'est deck. Animal féerique blanche. Oh là là. Donc elle, quand elle est invoquée normalement ou spécialement, je peux cibler un monstre sur le terrain et le retourner face verso. C'est la pire carte, mon gars. C'est la pire. Je vais proposer de. Je vais retourner ça face verso. Ah, et tu as quand même le droit à un token aussi. Par rapport au jardin infernal. Mais je m'en fous de ton token. Ça va, gros, t'as 34 000 HP. Oui, mais je vais perdre, regarde, j'ai 4 cartes à piocher. Allez, je vais faire un changement de cœur non, sur l'autre. Mais... Et je vais proposer de faire un portail de monstres. Ça fait quoi? Je vais le sacrifier pour. Et je vais révéler les cartes du dessus de ma bibliothèque jusqu'à révéler un monstre et que je vais invoquer spécialement. Ok, je rappelle okay. qu'il y a un autre obélisque. Tous les autres sont perdus. Les autres sont envoyés au cimetière. Cimetière. Il a que des cimetière, obélisques dans son cimetière, deck. Cimetière. Va-t-il le piocher? Va-t-il le piocher? Oui, je vais forcément l'avoir. Oh. Et obélisque le tourmenteur. Non, mais du coup, il a que 2000 d'attaque. Il a que 2000 et tu reprends un joli jeton. Qui est en mode attaque. Et du coup, c'est une invocation spé? C'est une invocation spé. C'est pas très rétro, mais c'est very cool. Donc. Il est tellement chelou ce duel. Je vais proposer. Donc, attends, c'est son attaque défense. Eh hey, hey. Oui, mais pas. Non, je crois que c'est juste attaque. Hein. Non, c'est la défense aussi. Ah, il y a la défense. Ouais, mais est-ce que. Quand tu le flippes, il aura 4000? Ouais. C'est ça le problème. C'est un problème. C'est un problème, c'est une problématique. Hop, bon, bah tant pis, je vais taper un jeton. Tu veux pas le sacrifier là-dessus? Attends, je dis une connerie, mais tu peux pas activer l'effet d'obélisque? Bah non, il faut sacrifier deux monstres. Ah, c'est pas un seul? Et normalement, je me suis dit, mais pourquoi il ne lui rappelle pas ce bâtard? Pourquoi tu lui dis? Gros, tu joues un deck méta, bien sûr, je vais lui rappeler tous les jours. T'inquiète pas, mais je crois que c'était deux autres monstres. Et en fait, je peux sacrifier obélisque lui-même. Donc, c'est deux autres. Non, c'est sacrifié. Je pensais que c'était deux autres. Et là, c'est deux monstres. Donc, on va quand même passer en battle. On va taper avec obélisque. Donc, je perds combien là? Bah là, tu vas perdre. Il y a 800, c'est ça? 1200. 1200, je perds 1200. Attends, parce que tu peux pas attaquer avec obélisque une fois que t'as activé cet effet, je crois. Mais il le fait pas l'effet. Je vais pas l'activer, c'est pas grave. Tant pis, il aura son grain de bajou, il va me tuer, peut-être. C'est pas grave, il va gagner cette partie, ça va lui faire plaisir. Yes. Tu peux sacrifier obélisque lui-même dans les deux. Et du coup, c'est quoi l'effet d'obélisque? Enfin, si je sacrifiais ces deux-là, je pourrais lui raser son terrain. Ça pourrait être efficace, effectivement, parce qu'il a plus d'autres monstres. Tu veux vraiment que je le fasse? Bah sinon, t'as allez, si tu veux. Bah ouais, alors c'est pas grave, c'est le jeu. Tu dois lui rendre son monstre par contre. Oui, c'est. Et du coup, ton terrain aussi? Ton. Non, ça détruit juste les monstres. Ah, ok, je croyais que ça détruisait tout. Ça détruit juste les monstres. Ouais, allez, on connaît pas Obélisque. Il te reste des monstres? Non. Alors, non, il bluffe. Il reste plus non, c'est genre. Il a visage nécro, il doit rester un Battle Fighter peut-être encore. De toute façon, s'il invoque, il y a un token donc. Après, il te reste que 300 HP donc. Oui, surtout que le token il est en mode attaque donc. Attends, peut-être que ça peut me sauver. Il y a combien de cartes là-dedans? Si t'as une deuxième morphoja, il peut perdre.
Ouh, malheureusement, je n'en ai qu'une de Morphojar. Et en plus, t'as plus beaucoup de cartes non plus. Ce duel. Alors qu'il est 22h. Non, on se dépêche, les gars, excusez-nous, on se dépêche. Non, mais je rigole, on s'en fout. Vous êtes venus pour ça, les gars, vous inquiétez pas. Nous, on joue toutes les semaines. Après, nous, on va jouer un vieux deck bête cristalline contre bête gladiateur. La belle tortue marine Kaiju, que tu ne peux pas invoquer. Bah, ni ça. Du coup, ça non plus, je pouvais pas, de toute façon. Écoute, on va prendre ça. Hein. Alors, du coup, le chat a bien suivi. Du coup, là. J'ai pris un jour de paix. C'est on pioche chacun une carte. Yes. Mais. On prend pas de dégâts jusqu'à mon prochain tour. Oh bah. Putain, ça par contre, c'est chiant mélangé quand t'as 4 cartes. Ah, t'as plus que 4 cartes. Mais pourquoi tu prends un jour de paix? C'est un choix stratégique. Les deux autres, je peux pas les jouer. Parce que là, tu vas piocher, ça t'amène vers la mort. Est-ce que Doc qui a accumulé un gros stack de PV, mais. Ouais, qui peut tu récupères quand même ça dans ta main. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ultra. Bah, il vérifie ce qu'il y a dans son deck. Ah, c'est risqué quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Oula, il utilise. Ah, il enlève une carte en plus! Oi. Tchat tchat tchat! Kaiju vraiment qu'est-ce rétro. Qu'il bannit non, mais... Je gagne 500 points de vie. C'est certainement rien. Non, mais si vous saviez ma stratégie. Ok. La stratégie, c'est que s'il a des points de vie qui sont pairs, alors il gagne la RT. Tu veux couper? Ah, quand même, hein! Non, je t'ai pas proposé avant? Pardon, excuse-moi. Je sais pas si tu m'avais pas proposé, mais. Bon alors. Sur 3 cartes, j'ai envie de couper. Ouais. Peut-être un jour de paix, Doc, pour piocher une carte, non? Ton token, il est en mode attaque? Ouais. Putain, bah merde, excuse-moi, mec, depuis tout à l'heure, j'essaie de faire une stratégie parce que je suis persuadé. Excuse-moi. Bah, en fait, c'est ça. Bah, pas. Oh, le bluff! Oh, le BM! Oh, le BM! Oh, le BM! Attends, peut-être. Non, t'as. Quel enfoiré! Quel BM! Donc, il va mettre un joli token. Aïe. Mais regarde, il est confiant jusqu'au bout! Il est confiant jusqu'au bout! Quel BN du joueur français! Alors, tu attaques ou pas? J'attaque. Et ça passe. Ok, tu l'as eu. Bien joué. Bon. Mais je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise aussi tout à l'heure. Ça fait quoi? J'ai un dévoreur de niveau et j'ai pas pensé le ramener sur mon obélisque. Dommage. Pour le sacrifier sur l'obélisque. Ce qui me laissait la faire tel snow sur le terrain. Tellement. Aïe, dommage. Mais plus grand peu misplay. Ouais, bien carrément. Doc, c'est quoi ton deck? Alors explique un peu. Moi, c'est un deck qui bannit et t'es content si tu pioches ce genre de carte, justement. Et puis, c'est un peu la carte maîtresse, quoi, tu vois. T'en as 3, des grands majous, qui ont leur attaque multipliée par 400 par ton nombre de cartes bannies. Et puis, t'as plein de façons d'en bannir, hein. Ça, c'est génial. Parce qu'en plus, t'as un monstre. Ça bannit ton extra deck. Et puis après, pour ceux qui demandent, ça. Ça, j'acquive, tu peux pas. Mais le jour de paix, il l'a pas joué. Tout ce qui est Kaiju, c'est juste pour virer les gros monstres de son adversaire qui nous gêneraient parce qu'on peut les sacrifier en invoquant ça sur leur terrain. D'accord. Ouais, voilà. En fait, oui, en gros, Kaiju, c'est genre tu sacrifies sur le terrain adverse pour lui donner. C'est un peu comme le golem de lave, tu vois. Voilà, golem de lave. Et du coup, s'il a un monstre vraiment trop fort, tu mets ça même s'il est fort, entre guillemets. En fait, moi, ça me sert pas trop pour les monstres forts parce que généralement, j'ai des grosses attaques, je les pète, mais souvent, il y a des monstres qui annulent des effets, ou tu vois. J'en sacrifie et en fait j'en ai 3 parce que genre lui je l'invoque chez l'autre et moi quand l'adversaire a un kaiju, moi je peux invoquer spé en autre un kaiju sur mon terrain. Okay. D'accord. On est d'accord voilà. Que c'est pas un deck rétro. Non, c'est pas du tout un deck rétro, c'est pour le fun. Le présenter étant donné que ça rentrait à moitié dans le concept, étant donné que ça joue aucune carte synchro, Xyz, lien, etc. Mais bon, ça reste un deck qui est un peu hors concours ici. Exactement. Merci les gars. Xari, tu veux peut-être. Allez, venez jouer les gars. Allez, vas-y. Mec, on va se faire un duel. Putain, je t'ai jamais affronté, ça me fait trop bizarre, mec. Mais quel mytho. Et ensuite, on désignera quelqu'un de vous deux. Y'a Gigi ou quoi? Gigi est sur le chat. Faudrait mettre Helios dans le deck de Doc. C'est quoi Helios? Ah, c'est Helios. Bah, j'ai un deck bannissement aussi ici. Et Helios, ça gagne 100 pour chaque carte bannie, mais c'est moins fort que Gritmajou. Qu'est-ce qu'on joue, Zoulou? Ça peut passer. Qu'est-ce qu'on joue? Eh bien, comme tu le souhaites, moi, je vais tester un truc. J'ai rajouté une petite carte ou deux dans un deck, je sais plus lequel. Tu sais que moi, celui-là, il me tentait hein, quand j'ai vu ça. C'est vrai? Ah, ben, ça fait plaisir. Ça, c'est une de mes cartes de cœur, comme je disais. Oh, j'ai oublié de la mettre dans un des decks aujourd'hui. Est-ce qu'on peut l'avoir, s'il te plaît, en régie? Xari, tu vas choisir ce que tu veux. Parce que, comme tu as remarqué, j'adore prendre le contrôle des trucs adverses. Et ça, c'était le premier monstre qui nous permettait de faire ça. Réellement. Ok. Ah, mais ça, c'est le deck que t'as joué la dernière fois, celui-là. On peut la. C'est ça la fissure, non? Est-ce que c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas, les gars, je sais pas.
Deck protecteur du tombeau. C'est un peu fort. C'est ça, Helios. C'est un peu fort. Ah, y'a pas de soucis, moi j'étais heureux, hein, bien sûr. Qu'est-ce que je vais jouer? Choisis un deck. Ah, mais je sais pas, je choisirais peut-être bien. Vous voulez pas que ce soit Jakif qui choisisse? Comme ça, c'est au pif. Vas-y, hein. Ouais, sachant que le. Celui-ci, on peut pas le jouer. Parce que les. Il met des decks pour le fun. Non. Ça, c'est des cartes Pokémon ici. En fait, les gars, j'ai construit 29 decks, mais en fait, il y en a que 2 qui tournent, d'accord? Donc les autres, non. Non, c'est juste exceptionnellement, on peut pas le jouer étant donné qu'il faut que je le modifie. Xari, il faut qu'on se décide là. Non, mais faut tenter le challenge. Non, mais au pire, vas-y, je lance 2 dés, allez. 4, ça pue la merde. Et ben ça, Amazoness. Ouais, enfin, de toute façon, t'aurais jamais fait plus que ça en fait. Amazoness. T'aurais jamais eu ces decks là. Bah si, il y avait 29 et pas 12. Et si, ouais, parce qu'il faisait par ligne, tu vois. Il faisait 5 lignes, tu vois. Ah, ouais, 5 lignes de 6, toi. Pas Amazoness, 5 lignes de 6, tu vois. Le deck Necro Exodia. Necro Exodia. Bah vas-y, je joue Néo-Spatien, je m'en fous. Okay. On peut regarder un peu tes autres decks. Ouais, pas comme s'ils avaient jamais joué quoi. Après, il faut que Jacques Yves soit un peu sur la game parce que c'est un peu notre arbitre aussi. Hein. Oh, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Parce qu'on fait plein d'erreurs et à chaque fois le chat nous dit le duel a été ruiné dès le duel, enfin dès le tour 2. Bon, ça nous arrive hein, des fois. Y'a pas de soucis. Je vais essayer d'étudier d'ici là. De jeter un coup d'œil à ce qui se passe. Mais ça arrive à tout le monde de se fourvoyer. De toute façon, nous on est à la bonne franquette. Surtout Xari. Quoi? Non, rien. Mais quel enculé. Non, mais des fois on. Ah oui, mais. Bah, attends, mais c'est mon deck ça, oui. En 3 cartes. 6. Ouais, bah ouais. Bien. 4. Oh. Ok, je commence. Ah bah, quelle surprise. La barbe de Jackie est mieux que les cheveux de Zulu. On va se calmer quand même. Attention, c'est parti. Merci. Très bien. Très bien. Je cède ça. Oui, il m'a saoulé déjà. C'est quoi déjà son duel? Necro Exodia de mort. Et je termine mon tour. Ouais, c'est quoi ton deck? À moi! Necro Exodia. C'est un deck ténèbres avec notamment Exodia et Necro Exodia. Ok. Voilà. C'est pas très optimisé. En fait, tous mes decks sont. Je les pousse pas à l'optimisation parce que je fais pas une seule stratégie pardon, dans les decks. Et par exemple, les decks qui pourraient être deck OTK, style. Le deck Benke que j'avais construit au tout début, j'essaie de les transformer et de les rendre les rendre plus viewer friendly, c'est-à-dire un deck Benke qui va constamment bloquer l'adversaire avec des limites de zone, des marshmallows, ouais, c'est pas drôle, temporiser jusqu'au moment où on va faire la stratégie, etc. Bah, c'est bien une fois, mais dans la continuité, c'est un peu chiant. Du coup, je préfère faire un deck où il y a une ou deux stratégies qu'on n'est pas obligé de voir forcément tout le temps. Mais quand tu la sors, c'est content, c'est un peu imprévu et tout. Donc j'ai joué Appel de détresse et j'ajoute un monstre héros élémentaire depuis mon deck. Jackie, on demande si t'as un Twitter. Non, malheureusement pour l'instant, j'en ai pas encore. Il va falloir t'en créer un, Jackie. Ouais. Et je vais jouer Néos. Non, mais nouveau Néos. Héros des éléments. Okay. Voilà. Il y a 1900 points et j'attaque ton monstre face cachée, mon ami. On sent qu'il a pas peur. Non, j'ai pas peur. De toute façon, tu détruis bien sûr mon marchand ésotérique qui a un effet flip. Prenez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à prendre une carte magie ou piège et ajoutez là à votre main et envoyez le reste au cimetière. Mec, bien joué. Cimetière. Oh, pas mal. Oh, c'est pas mal ça. Ok, alors on va peut-être jouer cette carte face cachée. Bon, tu peux jouer un terrain face cachée? Ouais. Oui, on peut la jouer, hein, parce que de toute façon, tu sais très bien ce que c'est. Néos passe. Et d'ailleurs, est-ce que ça marche? Non, parce que c'est pas Néos encore. Vas-y, et à toi. Oui, j'en avais un à l'époque. Jackie, t'as un Pinterest, t'as un profil OTK. Est-ce que tu as un Skyblog? Ok, je vais jouer destruction de cartes, Et oui, un profil OTK, s'ils parlent de OTK Expert, oui, ils peuvent me retrouver sur Deathbot 007. Du coup, j'ai jeté ça. Okay. Un Néos, un Scarabée flamboyant Néos. Et oui, je joue aussi à Duel Link. Et Prism. C'est lui qui a gagné. Bon, il a triché. Il avait un deck un deck un peu pété, j'avoue. Ok, donc c'est sûr qu'avec Robo Bureau, ça aurait pas été la même... Ok, je cède ça. Ah, t'as jeté un. Vas-y, un Néo. Là, j'étais obligé. Ma destruction. T'as tellement perdu, mon gars. Mais non. Je vais jouer la marmite d'avidité. En train de piocher. Et
Oui, parce qu'il rajoute les effets ensuite, sonores. Ensuite, je vais jouer. C'est un métier. C'est fort, c'est fort. Oh, au-delà de l'âme, pour invoquer spécialement... Moi, j'ai l'impression d'être en décès. En décès, ils sont tous comme ça. Néos. Héros des éléments. Alors, fais-moi le malin, non. Books. Ensuite, ça commence à se corser un petit peu. Et plutôt Arabica ou... Ok, ok, on... Oh non, tu peux pas faire ça. Oh non. Il même peut la faire... régie me met un petit malaise TV, non. Ah, il peut le faire, attends. Ok. Alex Yuki, bon, je joue à Duel Link. Alors de quoi? Ah oui, je joue à Duel Link, oui forcément. Moi, c'est un 06 aussi dans le chat. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai vu. Apparemment, tu fais fureur ici. Je vais invoquer nouveau Neos. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Enfin, j'invoque, tu sais, je fais l'effet de Neos pour qu'il de... enfin, de nouveau Neos pour qu'il devienne Neos. Donc, t'as deux Neos. Donc là, j'ai un Neos, héros des éléments qui a 4-3000. Mais t'as déjà fait une invocation normale avec. Non, c'est au-delà de l'âme, c'est une invocation spéciale. Mais tu crois, c'est un monstre à sacrifice. Ah, je l'ai posé comme ça. Donc, lui, il a 3000 et lui, il a 2400. Ensuite, je vais activer âme commune. Et je te laisse lire la carte. La flemme, c'est trop long. C'est pour ça que je joue pas ton deck. Hein. Alors, sélectionnez un monstre face recto sur le terrain pour activer cette carte. Faites l'invocation spéciale d'un monstre qui inclut Néospatien dans son nom de carte depuis votre main sur le même terrain que le monstre sélectionné. Augmentez l'attaque du monstre sélectionné de l'attaque du monstre invoqué par invocation spéciale. Par cet effet, lorsque cette carte est retirée du terrain, renvoyez le monstre invoqué par invocation spéciale par l'effet de cette carte dans la main. Putain, je vais arrêter à la première phrase. M'a saoulé. Je vais pas écouter moi. Alors attends, je c'est pour ça que contre moi il triche parce que. Mais, c'est ça. Mais je triche pas, ils sont chiants. Ils sont chiants, je l'écoute pas et. Et tu sais, il est là, des fois il invoque deux ou trois fois en normal en un tour. T'sais. Non mais ça, ça m'est arrivé au premier duel, gros, t'es sérieux, t'es vraiment le pire. Si c'est en termes de deck, moi je vous conseille de vous intéresser surtout au deck de commune. Principalement parce que. Deck les... de commune, c'est-à-dire. Bah des decks. Dans pas les... cher quoi. Les... En fait, c'est dans les extensions, comme je le dis souvent, c'est. On a un côté avec des cartes en commune. Pour que tout le monde y ait accès et qui sont souvent des très très bonnes cartes, très très fortes, mais il faudra mettre un peu plus de temps sur le deck building. D'accord. Comparé à un deck ultra foil ou qui va être très facile à monter tout de suite. Mais plus cher. Du coup, je vais invoquer spécialement avec âme commune Colibri aérien Néospatien qui a quand même 800 d'attaque et je vais. Alors, du coup. En effet, peut-être. Du coup, j'augmente l'attaque du monstre sélectionné de l'attaque du monstre invoqué. Donc là, lui, il passe à. Il était à 2400 plus 800. Donc. Ça fait 3200. Un peu fort ton deck. Et j'active l'effet évidemment. Alors, de Colibri. Whiff, pour l'instant j'ai un peu beaucoup de boulot. Alors du coup je gagne 2000 points de vie. Mais sans réflexion. Grâce à l'effet de Colibri Néospatien. Je gagne 2000 points de vie. T'es sûr? Ouais je suis sûr, ouais c'est 500 par carte en main de mon adversaire. Et ensuite, parce qu'on est là pour s'amuser, on va faire fusionner ces deux monstres en tant que fusion contact. Je vais les remettre dans mon truc et les mélanger. Et je vais invoquer le monsieur Néos aérien. Héros élémentaire. Héros des éléments. Et tant que mes points de vie sont inférieurs au tien, qui sort de ce corps, ma carte gagne un montant d'attaque à la différence. Ok, mais c'est pas sauf le cas. Que bah, c'est pas le cas. Mais ça aurait été pas mal contre le deck de. J'aurais gagné 30 000 points d'attaque. C'est pas mal. Je lui mets un petit Big Bang pour. Je crois que c'est Big Bang la carte qui permet de mettre Père Zef sur. Ouais, c'est ça. J'attaque. Donc, du coup, j'ai deux persos là qui ont 3000 chacun et j'attaque avec Néos, héros des éléments sur ton. Enfin, on en connaît qui transpirait alors qu'ils étaient en train de gagner. C'est la pression. Sans gants. Sans gants. Et du coup, j'attaque avec Néos aérien et il prend 3000 de petits. Le bon vieux. C'est quoi, t'as détruit quoi? J'ai détruit sans gants. Ah. Bah, ça tombe mal, il ouais, fait il prend 3000, hein. Ouais. C'est bien perso quand même. Et je dis fin de tour, mon ami. Ok, j'ai toujours pas pris. Néos! C'est pas une magie continue apparemment comme le disent les. Si. Ouais mais est-ce qu'elle est pas détruite? Ouais c'est vrai. augmenter l'attaque du monstre lorsque cette carte est retirée du terrain, renvoyer le monstre invoqué par. Ouais elle reste mais je suppose qu'elle prend juste un slot, j'avoue. Ok j'ai je pensais pris qu'elle partait au moment. Ouais c'est my bad. J'ai pris marchand ésotérique. S'il n'y a pas d'effet qui dirait qu'elle soit, doit être envoyée aussi. Non, ouais non elle dit rien, c'est juste ça me bloque un slot du coup. Je vais jouer violent en rage.
Bah voilà, tiens. Le slot est débloqué. Non, le slot est débloqué. Ça, ça revient pas dans ton deck dans ton... À la fin, c'est à la fin de Mind Phase, mais là pour l'instant, c'est ton tour, donc ça marche pas. Ah, de ta prochaine End Phase. C'est à la fin de chaque, chacune de mes End Phase, quoi. Mais là, c'est la tienne, ça marche pas. Là par contre, si je remets pas un monstre, ça, il partira dans le deck. Okay. Tiens, Zulu, il y a une question intéressante, je pense. Jackie est là, quelqu'un qui veut se remettre à Yugi, mais qui s'est arrêté au synchro, il sait pas par où commencer. Un bon deck de structure peut-être. Ouais, c'est un bon début ça. Oui, bah les decks de structure sont vraiment bien prévus. En général, quand on le récupère x3 et en les mixant les trois avec les cartes les plus brillantes en général des decks de structure et quelques cartes en plus, on va réussir à avoir un deck semi-compétitif pour commencer à aller dans des tournois régionaux, voire même des tournois nationaux. Chaque même année, on. Ça, des tournois boutiques. Oui, non, mais voilà, ça, les tournois boutiques, mais même, je veux dire, on peut aller même jusqu'à un haut niveau de compétitivité avec un deck de structure. L'année dernière et les années d'avant, on a vu des monarques, le deck héros élémentaire, grâce au deck de structure, aller dans les top tables. D'accord. Alors. Et surtout qu'il y a toutes les règles et tout actuelles dedans, quoi. C'est ça. Ça peut. Je vais invoquer. Retour sur toutes les règles directement. Prisme héros des éléments. Et je vais sélectionner. Qu'est-ce que c'est fort Prisme. Je vais sélectionner. Il est en train de manier. Je vais sélectionner Néos géant héros des éléments pour envoyer ma taupe Néo taupe géante Néospatien dans le cimetière et du coup Prisme devient taupe géant Néospatien et je vais faire une fusion contact entre Prisme et Néos afin d'invoquer Néos géant héros des éléments. Je le connais par cœur ce deck. Hein. J'aime pas ça là. Qu'est-ce que fait Néos géant? Une fois par tour, vous pouvez renvoyer un monstre contrôlé par votre adversaire dans la main de son propriétaire. Cette carte est renvoyée dans le fusion deck durant la end phase. Exact. Sauf que j'active un deuxième Néospace. Shinobird Spirit, étant donné qu'on a Yamato qui est sorti, ça peut être très très fort. L'esprit Yamato qui ruine un petit peu le méta, les joueurs méta actuellement. Je renvoie cette carte dans ta main. Je peux pas. Bah si. Moi je suis un peu partout et c'est pas, je travaille avec le distributeur. En réalité, je suis dans une société affiliée au distributeur du jeu pour Konami. Et voilà, moi je m'occupe vraiment de l'organisation, de tous les événements, de la relecture d'une partie des cartes, de vos textes de vente. Donc s'il y a des fautes d'orthographe dans les cartes, c'est de sa faute. Ouais, c'est ça. Ça peut être de ma faute. Non, 3000. Ou alors qu'on n'ait pas voulu suivre mes indications. Néospace. 3000. Et j'attaque, du coup. Et ouais. Oh, l'armure de Sakuretsu. Ouais, sauf qu'il va faire Sakuretsu. Toujours aussi efficace, hein. Ouh, y a des belles choses, hein, quand même, chez Zulu. Il y a des belles choses, hein. J'ai réussi à faire 3 fusions contact depuis le début, quand même. Hein. GG. Alors, non, actuellement, je ne prends pas de stagiaire. C'est pas que j'aimerais pas, hein. Effectivement, j'ai toujours beaucoup de travail, hein, mais... J'aime bien exploiter des gens gratuitement, aussi. Ça, apparemment, Doc prend des stagiaires par contre. Et alors, du coup, il y en a qui disent que ça se met dans l'extra deck direct. Dans cette end phase. Mais bien sûr que je me suis fait baiser. Mais pourquoi ça marcherait pas? Non, mais c'est écrit quoi sur ta carte? Cette carte retourne dans le fusion deck durant la end phase. Bah oui, c'est donc la end phase du tour où elle est invoquée. Oui, mais en gros, je l'ai invoquée, j'avais Néospace, donc l'effet se fait pas. Et lui, après, dans son tour, il a détruit Néospace. Et du coup, ça s'est renvoyé. Parce qu'en gros, cette carte-là empêche de faire cet effet. Oui, logiquement. Étant donné que, vu que c'est un effet continu, en fait, qui dit que quand elle est sur le terrain, elle retourne dans le deck à la end phase, je dirais que qu'elle y retourne. Elle y retourne, étant donné qu'il n'y a plus Néospace qui lui couvre cet effet, en fait. Bon, bah, remets-lui 3000. Remets-lui 3000, ouais. Directement, on respire un peu mieux. Ok. Bah toi. Encore une triche. Alors y a pas d'âge minimal hein, pour participer à un tournoi. Voilà, tant que tu sais lire tes cartes, y a pas de souci. Tu peux aller en tournoi. Est-ce que ça existe des gens qui savent pas lire, hein, des petits enfants qui savent pas lire mais qui connaissent le deck par cœur avec les images? Hein. Ça existe effectivement. Des enfants qui connaissent quasiment par cœur leur deck. Est-ce que t'as déjà eu des cas par exemple de personnes je sais pas, aveugles ou tu vois, qui ont besoin de quelqu'un d'autre pour jouer avec? Alors non, actuellement j'ai eu personne qui avait des problèmes de cécité et avait besoin d'une personne. Oui, effectivement, ça pourrait exister. Je sacrifie. Ça pourrait exister, mais je n'ai pas été face à ce cas-là. J'ai été face à un cas d'un enfant de 5 ans à qui j'ai appris à jouer parce qu'il savait parfaitement lire et qui a commencé à jouer vraiment très stratégique. Et là, c'était vraiment très agréable. Je prends 2450.
J'ai eu l'impression de me revoir un petit peu dans ma jeunesse, d'avoir un enfant qui était vraiment aussi stratège dès la première explication du jeu. Et fin de tour. Fin de tour, fin de tour. Est-ce que le gagnant d'entre vous prendrait pas Jacques-Yves ? Ou pas ? Ça me va. Je sais pas, hein. Ouais, ça me va de l'affronter. En toute... en duel. En hein, duel. Voilà. Ah là, ça te plaît, tu vois, ce genre de blague, tu peux pas les faire hein, sur ton émission. Hein. Ici, on est libre. À Romage, j'adore. Moi, en vrai, j'ai rejoué ce deck quand il est arrivé parce que une de mes cartes de cœur, c'est le marionnettiste mystérieux qui rentre parfaitement dans la mécanique de ce deck. Justement, si vous allez voir la vidéo où Zulu était invité, je discutais un petit peu de ce deck-là durant l'émission. Et je vais sacrifier ça pour voir ta main. Tu vois ma main ? Oui. Non. Pardon. Il a combien d'attaques ? 2300. Ok. Et bah du coup je prends 500 points. Quoi ? C'est quoi le truc ? L'effet c'est je sacrifie une carte, je regarde ta main, s'il y a un monstre qui a une attaque super. Enfin si j'ai un monstre sur mon terrain qui a une attaque supérieure ou égale à un monstre sur ta main, je le prends, je le détruis et tu prends 500. Sinon c'est moi qui prends 500. Ah ouais, donc mauvais timing quoi. À toi. Non, le but c'est juste de regarder sa main quoi. Ok, je pioche. J'attaque. Je cède ça en fin de tour. Et je prends 1850. Et petit retournement de situation quand même, hein. Ouais, ouais, c'est ma spécialité, tu vois ce que je veux dire, mon petit doc. À toi. En tout cas, pour l'instant, on voit pas beaucoup Exodia. Hein. À toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On l'a vu en partie au cimetière. C'est ça, hein, la destruction de main a fait son affaire. Je vais jouer Monster Reborn pour aller chercher la main droite d'Exodia. Une carte qui te parle, Xari. Ça a été beau. Néos, héros des éléments. Non. Bah là, je suis pas bien là. Et Néos, héros des éléments, et Hades vont combiner leur attaque pour venir à bout de toi. Non. Donc 2450 et 2500, Xari, je crois que. Je suis. Tu n'es pas bien. Ouais, il me faut. Non, attends, j'ai pris plus que ça en gros. Il y a un bug là. Ouais, t'as cassé là. Remets les 3550. 2500. 2500 et 2450. Donc là, il va me falloir un colibri néospatien là. Et, sauf que là, j'ai plus. Il va te falloir croire en l'âme des cartes. Mais il y a un petit trou noir. Mais ce qui est dommage, c'est que là, t'as fait ton Yaden Yuki tout à l'heure, t'as déjà utilisé ton pot de cupidité. Voilà, le top deck pot de cupidité de Yaden. Ça ne peut pas arriver tout le temps. Là, mais c'est à moi là ou... Bah oui, ça t'inquiète. Okay. T'aurais dû suivre Doc, il jouait des pots de désir. je vais jouer ça. Comment ? Et ça pue pour Xari. Ça pue. Toi, tu ne connais pas ce monstre, il a 4000 de défense. Ah ouais. Tu le poses comme ça ? C'est le. Pas du tout. Tu sais que moi, une de mes cartes préférées, c'est le mur du labyrinthe et c'est 3000 de défense. Ouh, oh, la force miroir. Oh là là, oh là, là, là. Tu l'avais en main ou j'ai la top deck? Non, j'ai top deck. J'ai chat. Okay. Hey. Par contre, Xaris, ah ouais, je crois que c'est bon, que c'est tout pour fait moi. Un deck, tu vois. Je crois que tu te trompes. Ah, vas-y, baise-moi. Ah, c'est le même en fait. Il a 3000. Baise-moi la gueule. Mais attends, il est sorti quand cette extension en français? Avec ce visuel? Il y a le même visuel, parce que ça c'est pas le visuel du McDonald's. Non, mais je sais plus dans quel, de combien d'éditions il est sorti. Oh, c'est un deck bon quoi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que des monstres. C'est ce que je jouais à l'époque. Aïe. Moi aussi. Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose Ludgar contre. Il est trop récent le Ludgar. Le Stone. Il joue du Stone, regarde, il joue des héros. Oh bah voilà, moi je me suis dit non, le Ludgar il doit être trop récent, je vais pas le jouer. Comment ça, on joue de quoi? Stone. Parce que ça. Okay. C'est l'extension où il y a tous les héros. Mais une phase 2. Parce que c'est dans le dessin animé. Je vais invoquer. Parce que justement, je me suis resté. Le créateur des ténèbres. Parce que je me suis dit, bah non, ça va être 2000, ils sont sortis après. Très bien. Oui, j'avoue que j'ai regardé sa main, mais j'ai même pas lu ses cartes. Hein. J'ai juste vu qu'il avait un truc qui est. Tu as omis mon créateur. Ouais, je peux rien faire. Et ça, tu vas le regretter. Cette carte ne peut être ni invoquée normalement ni être posée. Cette carte ne peut être invoquée spécialement qu'en ayant 5 monstres ténèbres ou plus dans votre cimetière. J'en possède. Alors que vous ne contrôlez aucun monstre, c'est important aussi. 3. 4, 5 et 6, donc je peux l'invoquer. Une fois par tour, vous pouvez retirer du jeu un monstre ténèbre depuis votre cimetière pour invoquer spécialement un monstre ténèbre depuis votre cimetière. Et je vais dire. Je me pose la question, hein. Je me pose la question effectivement vu de la carte, parce que malheureusement je ne jouais plus à ce moment-là. Attends, je peux l'invoquer spé. Ouais, tu peux, ouais. Du coup, je peux invoquer en position de défense. Tu peux invoquer en position de défense, je pense. Oui, ouais, si il y a une invocation spéciale, tu peux le mettre en défense. Je l'invoque en défense.
Mais à part si c'était écrit sur la carte qu'il faut que ça soit en attaque, ouais. Comme tout à l'heure avec mon jardin infernal où c'était forcément en attaque. Yes. Ouais, non, c'est bon. Je le mets en défense, il y a 3000. Alors, Xari, que vas-tu faire ? Xari qui essaie de chercher une solution, mais tu ne peux rien faire. Moi, je vous conseille Robot Bureau, le top. C'est un deck méta, c'est ça ? Bah, moi, c'est un deck que je joue depuis 4 ans, et avec lequel, depuis 4 ans, je continue à rouler sur le méta. Ok. Et toujours de plus en plus avec ce deck. Parce que plus ça va, plus il y a de nouvelles cartes qui sortent, là, avec les nouvelles links et toutes les nouvelles combos que ça peut m'offrir. Il est plus fort que jamais. Okay. J'ai failli d'écouter un camarade de jeu dimanche matin parce qu'on a fait une partie. Il s'est retrouvé au top deck au premier tour. Il a pas apprécié. Je vais faire un truc, mais je ne sais pas. Quoi au top deck. C'est-à-dire que je lui ai envoyé sa main dans son deck avant même qu'il ait commencé à jouer. Ah, c'est chiant. Ah oui, alors d'accord. À toi. Ah bah j'ai pas de carte. du coup je vais faire un truc, je sais pas si je peux. Voilà. Donc on va. Et on ça va, pour moins d'euros. Donc je joue Prism, un héros des éléments. Je remets les fers dans ce deck. Il y en a 3. Donc une fois par tour, je révèle un monstre de fusion depuis votre extra deck, puis j'envoie un des matériels de fusion dont le nom. Alors est oui, il y a quelques-unes de mes decklists de Robot Bureau sur TK, mais elles varient au fur et à mesure des mois, parce que ce deck, je change tous les mois ou presque. Donc, une fois par tour, je peux révéler un monstre de fusion depuis notre extra deck, puis envoyer un des matériels de fusion dont le nom est listé précisément sur la carte depuis votre deck au cimetière. Donc là, par exemple, si je montre lui, on est d'accord que j'ai le droit d'envoyer Neos, puisque c'est marqué Neos. Ouais. Ok, donc, ça me paraît faire. J'envoie Neos au cimetière. Ok, par contre, c'est en anglais et là, c'est en français, okay. Donc ça marche pas. Et donc, du coup, la prisme... ça, c'est l'adversaire qui n'a pas envie. Donc la prisme devient... devient Neos. Ensuite, je flippe... Il avait tout prévu. Non, pas du tout. J'ai juste top deck. Ensuite, je flippe la panthère néospatien et je fais une fusion miracle. Contact, comme on dit, dans le milieu. D'accord, okay. Avec Neos pour invoquer, du coup, ce monsieur. Ouh, Neos des ténèbres, héros élémentaire. Neos des ténèbres. Oula, tu peux zoomer. Je préfère la version Ghost, hein, quand même. Tu peux zoomer encore plus parce un qu'on peu va... cher. C'est un peu on cher. Me l'a offert. On l'a offert, donc, ça n'a pas de prix. Vous pouvez sectionner un monstre AFF face recto sur le terrain si ce n'est pas, si il n'est pas encore sectionné par cette carte. Tant que cette carte est face recto sur votre terrain, l'effet du monstre sectionné est annulé jusqu'à ce qu'il soit retiré du terrain. Donc évidemment, je sectionne ton monstre. J'ai pas lu ça. Oui, mais n'oublie pas qu'il retourne dans ton fusion deck à la fin de la end phase. Hein. Sauf que j'active Neos. Passe instantané. Ça va où ça? Il a plus d'effet. Il a plus d'effet. Et j'active Neos passe instantané. Qui est équipable uniquement à un monstre fusion qui liste Neos héros des éléments, donc voilà. Le monstre équipé n'a pas activé l'effet qui le renvoie dans le fusion deck à la fin de la okay. End phase. Lorsque le monstre équipé est retiré du terrain, vous pouvez invoquer spécialement un Neos héros des éléments depuis votre deck. Si tu regardes les épisodes de GX, c'est ça. Hein, je suis dans okay. Dans la panade. Pas de cupidité. T'as 2005, t'es 3000. Oui. Ça m'a l'air pas bon pour toi, Xari. Mais bon, là j'ai joué toutes mes cartes, hein. je peux pas faire plus. Il a combien d'attaques ton créateur? 2300. Voilà. Je vais jouer soldat de cartes pour aller défausser 3 cartes. Oh. Petit chasseur de précision. Exodia Necros, hein. Il est dans le cimetière. Hein. Non, pas encore. Bah, si. Ah oui, oh merde. Comment ça pas encore? Ah oui, j'avais pas vu. Ah merde. Donc je pense que le plan Exodia est rigoles, vraiment toi, on fait rien, hein. Ouh là, le plan Exodia n'est pas bon là. Moi ça me fait pas rire ça. Il va falloir qu'on top deck notre grosse race parce que là tous nos néos sont au cimetière quand même, hein. Et tu ne joues pas Exodus pour le remettre dans ton deck? Mais Exodus aussi dans le cimetière. Surtout dans le cimetière. Ah. Non, j'en sais rien, mais je crois pas que tu le joues pas Exodus dedans. Comment? Exodus. Non, il faudrait que je pense que là il faudrait. C'est quoi Exodus? Et c'est un monstre qui dit que quand pour l'invoquer, tu renvoies tous les monstres de ton cimetière dans le deck. Ah. Et il gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre normaux dans son cimetière. Ah, c'est fort. Bah, donc dans un deck Exodia comme ça, avec Necros, effectivement là dans la situation, ça serait parfait. Faudrait que je le rajoute. Ok, très bien. Fissure, et je te tue. Mais pourquoi tu as fait ça du coup? Pourquoi t'as meulé? Je comptais pas tomber sur Exodia Necros. Mais ça sert à quoi de lui augmenter son attaque si de toute façon tu passes pas? De quoi augmenter son attaque? C'est pas ça? Pour meuler? Bah ouais. Juste pour meuler. J'ai 5000. Il avait envie de mettre Necros au cimetière. C'est un choix. On va voir un peu le duel. Mais non. Je fais un peu le méchant dans les tournois. Bonjour frère, j'ai plus de mains. Tu sais vraiment pas jouer. Allez, fin de tour. Alors que moi j'aurais fait la même chose, tu sais. T'aurais tenté. Bon bah voilà, c'est la loi de Murphy, hein.
Bah j'attaque. Il a combien? 400 Non, il a 1009. Non, il a 400 là. Il a 400, c'est que pendant mon tour? Oui, c'est que pendant ton tour. Donc 2100, okay. Il prend un Zulu. Et du coup, tu vas pouvoir piocher une carte. Jusqu'à la fin de ce tour, pardon. Et je pioche une carte. Ah, ça, c'est un effet que j'avais pas lu comme dans le dessin animé. Puis, c'est mon tour. Ouais, vas-y. J'en pioche une. Ouais, exact. Bon, Xari, il est temps d'en finir. Parce que je vais jouer Nécromancien du Chaos. Mon nécromancien qui gagne donc 300 points d'attaque pour chacune de mes cartes monstres dans mon cimetière. J'ai mal joué. Et j'en compte. De quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il a donc 3600 points d'attaque et je vais attaquer directement. Ouais, ouais. Néos des Ténèbres, héros élémentaire, et remporter ce duel. Bien joué. Zulu, j'ai une question. Pourquoi depuis tout à l'heure, juste, tu joues pas ton trou noir et tu poses n'importe quel monstre pour gagner? Parce que je voulais le tuer que nécromancien. Ah ouais, d'accord. Par contre, en vrai j'ai mal vu. Il a du skill, il a du skill. Après, là, ça a rien changé, mais j'aurais pu annuler l'effet de ton monstre pour pas que tu pioches. Avec. Oui, ça n'aurait rien changé. Mais voilà. J'ai quand même réussi à faire 3 fusions contact et je me suis fait enculer. Hein. Nice, nice. Je pense qu'en fait j'aurais jamais dû jouer ce deck contre ton deck. Parce que ton deck en gros c'est la tempo en gros et c'est complexe. Yes. Bon bah GG. Ouais. Tu prends un de tes decks. GG, je me suis fait éclater. Oula. T'en as pensé quoi de celui de cet après-midi? Ouais, vas-y hein, carrément. Carrément, qu'est-ce que je vais jouer? Attendez ça. Ouais, Zulu qui gagne, c'est rare. Hein, ah, ça dépend contre quoi, enfin ce qu'il prend d'abord. Ah ouais. On va d'abord lui demander. Ouais, tu joues quoi? Je sais pas, ça dépend. En vrai, je connais pas ton deck. Il joue le burn, ça sert à rien, tu vois. Clairement, non, mais je vais jouer un truc stylé. Stylé, dis-moi ce que tu joues. Stylé, je vais jouer. Prends le bête cristalline, ce serait drôle. Non, je sais pas jouer le bête cristalline. J'hésite entre le deck bête guerrier ou le deck dragon qui est pas mal. Lequel on a vu le moins? Sachez que le deck de Joey, on l'a vu 7 fois, il a gagné 0. Ah bah, vu 7 fois? Ouais. C'est peut-être l'occasion. Non, bah non. On va essayer de faire honneur. Tout le monde dit harpie. Bête guerrier. Ouais, joue harpie, bah, en fait, je connais pas la force de son deck. Moi non plus. Ouais, bah, mais joue harpie, c'est bien harpie. C'est un deck que je t'ai dit, je l'ai montré entre hier soir et ce matin dans le train pour venir. Donc voilà. Est-ce que j'ai envie de jouer J'ai oublié moi mes bas swap pour jouer. Allez, complètement ton deck. Joue ça, le deck bête guerrier. Du coup, t'oses pas me jouer celui avec le mur de labyrinthe? Mais dis pas tout comme ça, pourquoi tu spoil? Non, mais je sais pas. Il reste 30 minutes, de toute façon, il aura pas le temps de. C'est ça, j'ai pas le temps de jouer tous les decks, malheureusement. C'est vrai, non, mais t'as raison, il est bien. Celui-là, il va être rigolo aussi. Il m'a battu le mien, 2 fois. Celui-là? Oui, avant de venir. On va peut-être prendre le deck harpie, hein. Là, je te le dis, hein. Non, mais c'est bien ce que t'as l'air de prendre là. On va voir. Deck amazonès au pire. On va voir. Rien n'est joué. Allez, vas-y. Bon, okay. Bah on a dit qu'on avait le droit de se piocher à 6, alors... Ok, tu vas commencer, forcément. Et clairement, ne pas commencer, à part si t'as... Moi, je joue avec vos règles, hein. À part si ça joues bien. Cyberdragon... On est là pour le beau jeu, tu vois, on est là moi, je suis là aussi pour le beau jeu, tu vas voir. Allez, on va commencer par un petit pot de dualité. Ok, ça me va. Non, la mission se finit à pile, aujourd'hui. Donc elle finit à 21h. Allez, je vais prendre un petit réflexe Boonder des familles. Quel est ton pronostic, Doc 7? Tu joues quoi? Bête guerrier. Désolé, les autres. Ok, donc Jacques-Yves. Je viens de voir un réflexe Boonder, là, ça me plaît pas du tout. Hein, ouais. Pourquoi? C'est un très bon monstre. Ouais, parce qu'on va dire que je vais jouer avec des cartes qui auront pas mal d'attaques, donc... C'est un très bon monstre, réflexe Boonder. On peut déjà dire good game à Zulu dans le chat, hein, si vous voulez. Voilà. Ouais, donc c'est bon, au pire on choisit nos decks. Tu veux prendre quoi toi? Hop, pourquoi? Hop, pour le deck, je vais dire à toi. Ils ont déjà perdu, il a déjà perdu, je crois. Ouais. C'est pas faux. On va essayer de jouer vite. Ah, là, avec ses nouvelles lunettes, il est obligé de lire toutes les cartes. Il y a tout le monde qui dit good game Zulu. Bah oui, c'est savoir, mon gars. GG parce que je vais gagner. Ouais, mais t'as raison. On se calme. Hein. On se calme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les pieds dans le plat, je crois. Vas-y. Faut pas avoir peur. Je vais jouer Univers Exarion, bête guerrière. Durant votre battle step, si cette carte attaque un monstre en position de défense, vous pouvez faire perdre exactement 400 points d'attaque à cette carte. Si elle le fait, elle fait perdre. Et elle a combien d'attaques? Est-ce que c'est avant ou après qu'on révèle ton monstre? Que tu fais son changement d'attaque? Ouais. Non, mais cette carte attaque.
Je dirais, vu que c'est un changement de, il y a un changement d'attaque, tu dois pouvoir le faire une fois qu'on a révélé monstre. Ok. Le Wabuku tout à l'heure, tu l'as pas. Ok. Je le stratège. Pas... Oui, t'as pas pris le Wabuku, je vais sûrement le récupérer au tour 4. Donc je vais le faire avant, tu l'as dit. Vas-y, on va attaquer, on va voir un petit peu ce que tu joues. Ok. C'est une sphère explosive qui va venir gentiment s'attacher à ton monstre. Okay. Qui va venir exploser. Et qui explosera durant ta stand-by phase. Apparemment, Jackie va dire ok, et du coup, Google il est en mode bonjour. Voilà, donc à ta stand-by phase, je vais détruire ton monstre équipé, et si je le fais, je t'infligerai des dommages égaux à l'attaque du monstre détruit. J'aime pas ton deck. Ouais, c'est bâtard, c'est trop. Je vais jouer que des grosses bêtes. Il me l'a pas sorti ça tout à l'heure. Je vais jouer que des grosses bêtes. Et, à moi des grosses bêtes. J'ai 7 ça, je dis à toi. D'accord. Big Beast. Allez. Il est tellement zen. Il va jouer encore des anneaux de destruction là, ça va me saouler. Des cimes magiques. Tout à l'heure, il était zen et il a perdu. Des reflect bounder. Allez, on va poser ça. Je t'ai percé un jour, mon petit Jackive. On me l'a fait pas, moi. D'accord. Je suis un dueliste de première zone, moi. On va se calmer, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y. Par contre, en vrai, ces cibles, elles sont insane. Fais-nous rêver. Donc, on est à ta stand-by phase. Ouais. Donc, il va détruire ton petit monstre et tu vas perdre 1800. Oh oui, c'est pas fort en tout cas. C'est quoi la carte que t'as posée, Zulu? Non, c'est mode vie sphère explosive. Hein. Ça, c'est une carte que je jouais beaucoup à l'époque. Hein. Ça se débarrasse d'un bon dragon blanc aux yeux bleus, efficacement. Et ça lui inflige 3000 en plus. Ouais, bah c'est, sinon c'est il pas, a pris c'est pas drôle. Le deck non, ça aurait été qui fort, me compte ça, contre Majou. Oui. Ok, très bien. Tu m'as saoulé. Je vais invoquer Barbaros, le roi des bêtes, qui peut être invoqué normalement sans sacrifice. Et du coup, son attaque est réduite à 1900. Ouais. Ah, le naze, ces gens. Ce qui est déjà quand même pas mal en vrai. Hein. Je vais jouer double invocation pour jouer Chiron le mage. Oh, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire ça. Elle était comme une carte magie. C'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais peut-être pu sauver mon Exarion. Bah non, c'est à ta stand-by. J'aurais dû le faire pour ton tour d'avant. Non, mais j'aurais pu faire double invocation pour invoquer Chiron, défausser une carte magie et sauver mon univers Exarion. Les lunettes, ça fait pas tout. Hein. Ne croyez pas. Effectivement. Effectivement. Ce à quoi je vais jouer un petit union fait la force sur Barbaros. Chiron le mage, il va. Pardon tu veux... Non, je Chiron le mage, il va attaquer. Alors, je vais avant que. Mais il va me jouer des cylindres magiques, ça va. Je vais te faire un rugissement menaçant avant que tu rentres en phase de bataille. Je comprends ta peur un peu. Je comprends, il n'y a aucun problème, mon gars. Je comprends ta peur, il a dit. Donc, je vais set ça et je vais dire fin de tour. Alors, avant la fin de ton tour, je vais proposer un anneau de destruction sur je Barbaros. Je le savais. Je l'ai dit. Yeah, je l'ai dit. Mais ça te fait perdre quand même, mon gars. Et lui aussi. C'est cadeau, mon gars. Donc ça va faire 3000 chacun de nous. Voilà. Il avait 3000. C'est on va être détruit, donc on attaque quand on va être au cimetière. Toi tu vas me saouler. Ouais, je perds 3000 aussi. Ouais tu perds 3000. Et Zulu qui va perdre en 3 tours. On va se calmer. C'est à moi. Oui. Je vais jouer Reflag Bounder. Je pioche. Non, d'abord on va faire un petit Golem Practice que je flippe. Ouais. Donc, votre adversaire sélectionne un monstre qu'il contrôle, je change le contrôle du monstre sélectionné avec cette carte. Tu me choisis un de tes monstres sur ton terrain et tu me le donnes? Non. Tu m'as dit que je choisis. Ah, que tu n'avais pas encore. C'est ça, choisis de commercial. Attention, c'est ne genre... déplace pas les cartes. Pardon. Attention, attention. Donc, je peux défausser une carte magie. Ouais, non, j'ai pas envie de faire ça. Pas drôle. Allez, viens, on va mettre le petit réflexe. Allez, viens. Et on va proposer d'attaquer avec Chiron le mage sur Golem Factice pour voir. Non, mais fais pas genre Zulu, on sait très bien que c'est polymérisation. Fais voir ta force miroir. Il a pas d'extra deck, mais. Je prends. Donc ça va faire 1000. Et, là, et je vais t'attaquer avec le Reflect Bounder. Je vais prendre. Donc ça fait 1700. Zulu, il te reste combien de points de vie? Petit tour à... voilà, 500. À toi. On est au tour 2, je crois. Je révèle ici, hein, ce qu'il y a. J'ai pas vu. C'est tout le terrain, ça, ou pas? Non. T'inquiète. Je vais celle ça. Tu aimes beaucoup. Je vais celle ça. Tu dis fin de tour. Allez, je t'en fiche 500 pour chaque monstre que tu Aïe aïe aïe, je viens de toper ma force miroir là. Un duel assez... Oh, couleur. Bon, juste pour pas que tu regrettes, hein. Ok, bien joué. Mais je me suis douté quand j'ai vu ton réflexe Bounder, je fais... Oh, il va abuser des anneaux de destruction, cylindre magique... Joulou, un petit mot après cette défaite cuisante.
On parle de ta défaite de tout à l'heure. Ah bah moi je me suis fait baiser. Hein, ouais, bah voilà. Ah mon mot c'est je me suis fait baiser, voilà, bien joué à toi. Bon, et on a été vite, vous pouvez faire une partie du coup. Vous pouvez faire une partie, c'est vrai. Ouais, j'avoue, on va faire une petite partie. Doc, je t'invite. Mais je sais pas quoi jouer moi. Bah je sais pas. Que tu veux, bah moi. tu veux jouer le deck que j'ai pas joué, le dernier. Ah grave, carrément. Allez. Si tu veux bien, ouais. Bah vas-y, fais-toi. C'est quoi comme deck? Ça va ou pas? Non. C'est une vraie belle, c'est une vraie belle poubelle comme on les aime. Qu'est-ce que je joue moi du coup, Zulu? Joue ton deck préféré, ton deck de cœur un peu. Et le deck préféré, c'est Bête Cristalline, gros. Non. On l'a trop joué. Non, oui. Ah, donne-moi un deck qui contre un peu son deck. J'ai un deck en préparation. Un Zulu. Donne-moi un deck qui contre. Non, je peux pas, maintenant je suis. Non, mais je vais pas rejouer Bête Cristalline. Joue ce que tu veux. Joue ce que tu veux. Bah, il a dit que Joey, il avait bien fait un défi. Joey, ça pue la merde. Ou alors Protecteur du Tombeau. Non, c'est chiant. J'ai compris le but de ce deck. Bon, vas-y, on va. Son but est de gagner. Play with your heart. Hey, on va jouer Bête Cristalline, allez. Play with your heart. Équipe. Équipe. Ah, apparemment, il y a de l'équipement. Ah, il y a des cartes d'équipement. Bah, t'as pas vu un peu le deck? Non. D'accord. J'ai vu que les monstres. Alors, on va peut-être prendre un truc qui détruit les. Le reste, c'est des trucs pour les. Non, j'ai le deck harpie avec le terrain qui détruit. Non, 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 t'as déjà choisi. Moi, je vais rester debout à côté de toi. Pourquoi tu me baisses? Oui, je suis grand. Bah, oui, j'en ai 90. Tu ne piocheras pas cette carte. Protecteur du tombeau. C'est vrai qu'on l'a, ça fait longtemps qu'on l'a pas joué. Je sais pas du tout, je connais pas ton deck. D'ailleurs, c'est quoi la nouveauté d'aujourd'hui? Tiens, c'est Jackie, il a ramené les 3 decks, ça va. 5. Non mais. Pas à moi. Voilà. Allez, je commence. C'était une belle tentative. Franchement, moi je respecte. Je commence, mon ami. Tu peux piocher un. C'est vrai. Autorité un H. Très bien. Ça sert à quoi d'avoir 29 decks différents par contre? Non mais Xari, il prend un deck qu'il connaît pour se mesurer. Bah, c'est surtout que oui, moi j'ai perdu Le de deck structure. De structure, il est plutôt pas mal. Je vous le conseille pour ceux qui. Non mais en vrai, il y a des decks aussi. Genre, il y en a 29, mais il y en a qui sont peu jouables. Ouais, tu m'as rendu mon golem fait. Ils ont une bonne question là. Est-ce que tu m'as rendu mon golem? Ton golem? Oui. Oui, le. Oui, je te l'ai rendu. Là. Ouais, je crois qu'il l'a rendu. Je l'ai jeté au visage. Je joue Marmite d'Aliquité. Oh, t'arrêtes avec ta marmite. Attends. Tout le temps là. J'avoue que j'ai chaté. Hein, je cherche mon golem. Pas possible ça. Et je c'est joue... bon, il me l'a rendu, c'est bon. Ceci face cachée et je dis fin. C'est tout? De tour, oui, bah c'est tout. Ça va aussi. C'est à moi. Oh là là. Attends, non, je joue ça, pardon. Trop tard, tu avais dit fin de tour. Ouais, bon, je suis désolé, je viens de le piocher avec la pot of grid là et j'ai oublié. Alors, lui, j'ai eu un doute, savoir s'il était Jimmy pas légal dans le rétro, parce que je sais plus à quelle époque il est sorti. Ah, ok. Je vais équiper d'une baguette magique. Putain. Équipable uniquement un monstre de type magicien, il gagne 500 d'attaque. D'accord. Et tu peux l'envoyer au cimetière pour piocher 2 cartes. C'est vrai. Ah, oui, mais je vais surtout l'équiper de la hache du désespoir. Toujours plus. Donc attends, il a combien d'attaques? Alors ça, c'est une petite technique personnelle de l'époque pour passer un Blue Eyes. Hein. Attends, ça fait 2009 plus 500, ça fait 3400. Voilà. Hein, y en a qui mettaient 3 tours à avoir un Blue Eyes sur le terrain parce qu'il fallait 2 sacrifices. Bah voilà, en un tour, on a mieux qu'un Blue Eyes. Hein. Attends, 3400. Après, c'est 3 cartes. Et je joue la puissance du match. Ça demandait 3 cartes aussi hein, pour le Blue Eyes. 2 à sacrifier plus ton okay. Blue Eyes. Ok. Par contre, là, j'espère que t'as pas une force miroir. Il y a une bonne sortie quand même. Mais ah, s'il a une force miroir, ça pleure un petit peu quand même. Non, en fait, il faut savoir que les bons decks, j'évite de mettre des cartes tech trop fortes, genre force miroir, si un magique, des trucs comme ça. Ma tortue. Tu croyais que tu jouais protecteur du tombeau? Non. Mais ta brain alors? Non, j'ai pas dit ça. Mais t'as dit ça, protecteur du tombeau? Oui, tout à l'heure. C'était juste parce qu'il y a un mec dans le chat. Non, mais Thierry, c'est un secteur aga. Mais non, mais il y a un mec dans le chat qui nous l'a dit. Il a balancé Exodia à la mer, ce mec. Et je vais jouer ça aussi, hein, pardon. Oh là, attends, vas-y. Ah non, en fait, non. Non, vas-y. Je peux l'avoir du coup, vu que tu l'as retourné. Ouais, vas-y, si tu veux. Il révèle les cartes à son adversaire, c'est propre. Non, je la joue pas. Parce qu'en non, fait, mais ici, c'est la bonne franquette. Non, mais parce que je la mets pas au cimetière, du coup, je peux pas la jouer. Et pourquoi elle va là, elle, déjà? Parce que c'est son l'effet de toutes les bêtes cristallines, tu les mets, t'as le droit d'activer l'effet et tu les mets dans la zone magique. Par contre, quand tu joues une hache des espoirs sur Jiminy Elf, vu qu'elles sont deux, elles se disputent et elles s'autorisent. Merci Zoulon. Pourquoi pour lui on met pas les rires c'est chez moi ici. C'est chez moi ici que c'est il a dit ça. Chez moi. Ok. Hey, je vais jouer Rune Arc-en-Ciel, la cité ancienne. Je crois quoi ça sert. Ça sert à faire tourner le deck. Non, mais tu vois, ça fait partie des decks où il y a un prix concours à chaque carte, ça me saoule. Du coup, je l'écoute. Ce deck-là, il est pas quand.
quand il lit les effets et il me bat à cause de ça. Mais putain, vous saoulez. Moi j'aime trop, j'aime bien ton deck. T'as pas à réfléchir. C'est un monstre, tu poses. Bah ouais, non, c'est comme à l'époque. Hein. À toi, mon ami. Il y a peut-être une question de timing hein, par contre sur les cartes. J'attaque. Bien joué. Elle a combien ton elfe? Je sais pas, mais elle a. Elle a pas mal. Pourquoi t'as pas un Big Bang là-dedans? C'est vrai, j'aurais dû mettre un petit Big Bang. Mais tellement. T'as pas un Big Bang là, Kéton, que je rajoute? Non. À toi. Tu me stresses, c'est trop grand, Jacqueline. Oh. Non, non, c'est. C'est quoi le problème? J'ai l'air d'être grand, mais oui, c'est le problème déjà dans l'émission. Alors, aussi. C'est je vais jouer grande valeur, mon ami. Tu choisis un de mes monstres ici, tu l'envoies au cimetière et je pioche deux cartes en échange. Voilà. Et là, vu que ces monstres, il y a un prix Goncourt à chaque carte, tu fais vas-y, lequel je détruis. Détruis celle-là, celle-là. Celle-là, quand elle est invoquée spécialement, je peux invoquer tous les. Je vais lire les deux. Vas-y. Ouais, ça a l'air d'être une. Oublie pas que c'est un secteur aga, il fait détruire celle-là. En vrai, l'escarboucle est beaucoup plus fort que. Et après, deux tours après, il fait ah, mais en fait, j'ai oublié, elle fait ça, c'est vrai. Et donc là, son effet, attends. Une fois par tour, vous pouvez changer en position de défense un de vos monstres qui a attaqué ce tour. Ça, ça fonctionne aussi même quand elle est en magie. Non, 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 non. Quand elles sont en magie, les effets marchent pas. Bah alors on s'en fout laquelle j'attends. Non parce que si j'invoque spécialement la rouge, bah quand elle est invoquée spécialement, bah je peux invoquer tous les monstres. Ah ouais, qui ouais sont vas-y ici. Jette la rouge alors, c'est de la merde. On est d'accord. Ça me paraît logique. Tu pioches deux là. Ah c'est ça ouais. Oh, ils sont méchants un petit peu avec toi, là regarde, j'ai l'impression qu'ils disent que t'es sur la pointe des pieds. Non. non, maintenant je suis assis. Ok, je vais jouer ça. Bon mon cul il touche pas la chaise mais c'est pas grave. Je vais dire à toi. Est-ce que je crois que j'ai pas une seule carte qui détruit des monstres. L'effet de la baguette, c'est de rajouter 500 à un monstre magicien et on peut l'envoyer au cimetière pour piocher deux cartes. Avec le monstre magicien équipé. Salut. Je sais pas ce qu'elle fait. C'est quand elle a envoyé du terrain au cimetière, je peux aller chercher un monstre de 1500 au moins de défense. Ça, ok. C'est marrant. Je vais l'équiper de l'union fait la force. Ça fait quoi? Elle gagne, je l'équipe à elle, elle gagne 800 points d'attaque pour chaque monstre face recto que vous contrôlez. Elle gagne donc 1600. Elle okay. passe à 2700, j'attaque. Ok. Je vais l'envoyer au cimetière et du coup je vais activer Père Cristalline. Activable uniquement lorsqu'un monstre bête cristalline que vous contrôlez détruit au combat et envoyé au cimetière. J'ai oublié ce que ça faisait. En gros, bah, si j'ai un monstre cristalline qui est détruit et envoyé au cimetière, je peux invoquer dans ma zone carte magie et piège une carte bête cristalline et je prends pas de dommages ce tour. Ça va y aller, je t'attaque quand même. Bah vas-y. Mais je prends pas de dégâts. T'es sûr de ça? Ouais, je suis sûr. Je vais mettre. Ah, c'est marrant ça. Pégase. Ah, c'est. Alors, c'est pas mal, hein. Je connaissais pas du tout. Les mecs sont en mode. On dirait deux mecs avec une pipe en mode. Excellente cette carte, je ne la connaissais pas. Est-ce que tu peux la montrer là? C'est un grand cru 1998. Oh, ça a l'air marrant. Ça, c'est un peu plus récent, ça quand même. Sacrifier deux monstres puis cibler deux monstres face recto contrôlés par votre adversaire. C'est marrant. Il y en a eu d'autres, des réalités plus. Ah, c'est marrant. Ah oui, ça c'est un deck vraiment qui. C'est vachement situationnel quand même. Oui, mais c'est. Oui, mais c'est le but du deck, c'est marrant. Moi j'aime bien glisser des cartes situationnelles parce que. Bah voilà. Tu fais un petit bouc émissaire. Quand t'en sers pas, tu perds le duel, c'est pas grave, mais quand t'y arrives. C'est à moi, je pioche. Et puis t'es content. Et en tout cas, je trouve que les pochettes font des très belles couleurs comme ça à la caméra. C'est un peu psyché. J'aime beaucoup. Hein, c'est... It is real life. Ça fait penser justement qu'elle prend toutes les couleurs parce qu'on a eu les magiciennes, des chocolats, des kiwis, des citrons. Voilà. C'est un peu ça. Je suis désolé, mon ami Dax Seven. Et je vais activer Bénédiction de Crystal. Et je vais prendre deux. Alors, je vais être cristalline et je vais les mettre. Je te dis un truc. Au bout d'un moment, il peut détruire tout le terrain. Et mais qu'il détruise tout le terrain, écoute, qu'est-ce que tu fais? Il y a une seule carte en bas. Je vais détruire tout le terrain. Tout? Oui. Attends, parce qu'il y en a qui reviennent, non fort, je te laisse là, regarder. Faut que tu sacrifies pour. En gros, je sacrifie 4 monstres ici. Mais avant d'activer ça, je vais activer ça. Et pour que j'ai une carte. T'as vu, ils changent des trucs. Hein. T'as vu, des replays, ça. Ça fait deux fois qu'il y a des replays. Face à des monstres normaux. Non, mais vas-y, si tu joues, je le fais pas. Parce que sinon, les gens vont encore dire que je triche. On lui fait pas à lui. Je peux voir ta main? Oui. Non mais Zary. T'as quoi? Arrête mec. Monte pas ta main, monte pas ta main. Bah je sais pas, il me demande. On rigole. Ah bah en tournoi t'es. Tu peux perdre 6000 points de vie s'il te plaît. C'est Zary, tu lui demandes, il accepte donc. Non mais je joue pas en tournoi là. Zary, envoie ta CB. Puis invoquer spécialement autant de monstres, peut-être cristalline que possible depuis votre cimetière, y'en a plus non? Bah si, c'est celle-là du coup.
Bah ça dépend où tu es sur Paris, parce que En fait, lis la question quand tu réponds à un commentaire, parce que si... Jaldor là, hein, Jaldor. J'ai pas envie de lire le pseudo. Voilà, pour savoir où t'as une boutique sur Paris. Alors tu as plusieurs boutiques, tu vas avoir Troll de jeu, tu vas avoir le repère du dragon, Park Edge ou Ultra jeu, que tu peux trouver facilement, qui font des tournois toutes les semaines en boutique. Alors il y en a qui vont faire plutôt des tournois le mercredi, d'autres ça va être plutôt le samedi ou le dimanche. Okay. Donc ça, c'est à toi de te renseigner auprès de la boutique. Ce sont aussi des sites pour acheter sur internet aussi, je suppose. Ouais. Parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que tu as un site à conseiller pour acheter Du coup, je vais mettre... ça comme ça. Attends, est-ce qu'il peut one-shot? Peut-être me one-shot. Hein. Oui, mais avec une carte en main, ça va être compliqué. Avec tous les équipements qu'il avait, oui, t'aurais one-shot. Je vais activer l'effet Du coup, je vais activer l'effet de Pégase, qui est que je peux mettre une carte... directement ici, voilà, je vais mettre Mammouth. C'est le plus fort, hein. C'est un des plus forts. Ah, tu joues cette version là? C'est MLT1, je crois, ça, non? Ouais, alors j'ai pas effectivement forcément été prendre dans les versions d'origine. Je m'en excuse, j'ai pris des rééditions pour certaines cartes pour aller plus vite dans les recherches des boîtes. On est d'accord, je n'ai pas fait d'invocation encore normale, donc je vais invoquer. On a fait 12 là. Ok. Je vais invoquer Tigre de Topaz et je vais attaquer avec Tigre de Topaz. Donc ça fait 2000 plus 2000. Pas 2000. C'est 2000 ici. 2000, 3800, 3800 et 1600. Je sais pas compter donc ça me semble. Bah, 4800. Non mais il le fait, t'inquiète. Voilà. Ah, je suis pas mort! Non. Ah et après, je vais passer. Bah, tu vas gagner, c'est bon. Je vais passer cette carte. Un petit peu là. Oh, ouais, c'est parfait ça. Et ça, c'est des cartes qui gagnent. Et je vais dire à toi. Il y a des effets là que je dois savoir ou quoi là? Il y a aucun effet intéressant à part lui quand il attaque, il prend 400 sur un monstre. Mais juste quand il attaque. Et sinon, il y a aucun. Si lui, bah lui, il peut mettre une carte en défense. Mais je viens de le faire là. Ah. Et les autres effets, c'est à la invocation. Crois en l'âme des cartes, Doc. Crois en l'âme des cartes. Effectivement, t'as peut-être été un peu gourmand sur les équipements au début, mais bon. Écoute, peut-être. Non, mais pire, en fait, échange de deck, Zarik. Ouais, si tu veux. Hein. Aïe. Elle va là. Si je veux. Et j'ai envie. Tu perds 100. Ouais, je perds 100. C'est important. Après, en fait, c'est à toi. C'est dur de faire les match-up quand on me ramène un deck, étant donné que. La personne qui ramène le deck. 5400, pas 7400. J'ai 2000 en plus. Ah, plus 2000 pour Doc. Et pour le beau jeu, je vais faire Promesse du Cristal. Je cible une bête cristalline dans votre zone carte magie. Je détruis toutes mes autres cartes. Et j'invoque spécialement la cible. Je dois invoquer spécialement Pégase pour mettre dans la zone magie et piège le dernier manquant, le chat. Oh merde. Et je possède les 7 bêtes de cristal sur le terrain. Mais je dois d'abord. Il a combien, 1900 d'attaque? Ouais, vas-y, sacrifie le plus faible. Vas-y, sacrifie lui. En le tuant, du coup, je perds 1600. Il le fait vraiment. T'es gentil, toi. Tu perds 1600. Et j'invoque le dragon arc-en-ciel en main phase 2. Ça, par contre, non. Et en main phase 2, je fais gentil. ça et ça. Comment tu l'invoques, lui? C'est juste invocation spéciale. Il faut que j'ai 7. Faut que j'ai 7, les 7 bêtes cristallines différents sur le terrain ou dans le cimetière. Bah, donc là, t'en as que 6 sur le terrain. Ouais, mais il y en a un dans le cimetière, donc c'est bon. Ah. Et du coup, à toi. Du coup il a 4000 là en fait. Ouais, il a 4000. Mais là, j'ai fait ma main phase 2, donc c'est à toi. Ok. C'est à toi, mon ami. Allez, ça va chercher une solution. Et c'est dans ma zone magique. Au vu de sa tête. Alors, il existe. Mais pas du tout. C'est pas ça. Est-ce que tu peux zoomer sur la carte, s'il te plaît? Parce qu'il y a des mecs dans le chat, ils sont perdus. C'est je prends un monstre dans ma zone magie pour l'invoquer. C'est pas je l'invoque dans ma zone magie, ça veut rien dire. Alors tu disais? Ouais, je disais que malheureusement les tournois commentés ça va être essentiellement des YS ou championnats anglophones. Ouais, donc un truc tu n'auras pas, monter, pas d'autres commentaires que des commentaires anglophones pour t'expliquer ce que sont en train de faire les joueurs. Donc je peux bannir tous les monstres cristallins de mon cimetière mais pour envoyer toutes les cartes. Ouais, vas-y, t'as gagné. Du deck, par contre cette année normalement nous commenterons le championnat de France pour. Ouais mais vas-y je change de deck, je prends un autre deck n'importe. Attendez, parce que là tout le monde parle en même temps. Ah pardon. Donc refaites un deck, Xari, change de deck et du coup tu disais Jackie. Je disais que voilà, sinon pour le championnat de France ça sera un petit peu commenté normalement en français. Ok. Qu'est-ce que je prends? Un truc faible. Un truc faible. Non, on peut prendre un truc genre bête, truc de base là. Bête ou dinosaure. Joey qui a jamais gagné, tiens. Allez, deck de Joey.
Allez, on veut le challenge. Je connais pas du tout le deck. Il y a pas besoin de connaître le deck, c'est du hasard le Joey. Oui, le deck de Joey c'est des c'est du random hein, c'est du random. Allez go, 2v2 on n'aura jamais le temps. Ouais, on aura pas le temps. 2v2 on aura jamais le temps et c'est pas évident avec le setup de produire un beau match de 2v2 parce que du coup la caméra est plus loin, vous voyez moins les cartes et si on veut zoomer à chaque fois sur chaque terrain de jeu, ça fait beaucoup de mouvements de cam et ça donne un peu le tournis. Mais peut-être qu'un jour on trouvera une astuce en régie pour. Allez, commence. Moi en tout cas, ça sera avec plaisir que je viendrai faire un tag duel. Ça, c'est un format que j'adore. C'est vrai? C'est un format que je lutte justement pour le relancer au niveau mondial. Depuis que je suis arrivé, de toute façon, je relance plein de tournois en tag duel. Bah écoute, moi de toute façon, t'es le bienvenu. Et comme je le disais à Doc, sur le national, on aura des tournois tag duel encore cette année. Ah ouais, très bien. Okay. Pour ça, peut-être. Oh là 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 là! Il avait envie de faire une petite équipe avec toi, apparemment! Je vais invoquer le poussin! Non, c'est pas du taekwondo par contre! Hein. tu lances des toiles? Tu trouves que c'est trop chaud! T'as Spider-Man? Je sais pas, tu lances des toiles? Non, je joue des cas! Ah! Je mets le poussin B aux yeux rouges et je le sacrifie pour invoquer spécialement de ma main le dragon noir aux yeux rouges! Ça commence fort, ça commence fort! Ça t'embête un peu! Le dragon noir! Bon, attends, la dernière fois il a eu 4000 d'attaques en un tour donc je pense qu'il s'en fout! Alors par contre, si on joue en tag duel, on jouera pas avec les versions OCG, on jouera avec la version TCG, donc deux terrains. Deux terrains. C'est-à-dire que oui, chaque joueur a ses 5 zones. Parce qu'il y a un mode de jeu où on joue à deux sur même terrain. On partage le terrain, dans la version OCG. Ah, mais ça c'est possible de faire ça en live, tu vois. Enfin, pour nous, entre guillemets, au niveau du setup, c'est peut-être un truc qu'on peut explorer, tu vois. Ah, ça peut être amusant. Je me renseigne. Ça peut être amusant. Bah faut que tu ailles regarder sur les jeux Dragon Noir, les jeux en ligne, c'est en général la version OCG qui est mise en application. Oui. Je vais. Le chair du monsieur à droite de Zulu est très stylé. Je l'ai déjà vu, j'ai essayé de l'acheter et j'ai pas réussi. Ah. Ouais. Je jalouse un peu. Bah ouais, moi je le voilà, on me l'a offert. Voilà. On me l'a offert. Moi, j'ai hésité à m'acheter un truc, c'est Eat Drink Duel. Ah oui, c'est le trop oui. Bien. C'est trop cool. Je vais attaquer. Manger, boire et faire des trucs. Bien joué, mon ami. Une petite sorcière. Et ça, c'est vraiment. Ça, on est d'accord que maintenant je suis baisé, je peux plus jamais la jouer. Ouais. Ah, je l'ai toujours pas enlevé. À part si tu la remets dans le deck. C'est chaud. Mais j'ai une idée. J'ai une idée. Après, il y a peut-être des trucs de coupe des fosses. Noctiel, l'OCG, c'est le jeu qu'on voit en Asie. Avec les cartes japonaises, coréennes, chinoises. Et à côté, on a le TCG qu'on va avoir dans tous les pays occidentaux, avec les langues françaises, anglaises, allemandes, italiennes, espagnoles et portugaises. Oh, c'est complet, hein. C'est complet. C'est à Doc 7 de jouer. J'invoque. Non. Mahavailo. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, oui. Dès qu'elle a une carte qui est équipée à elle, elle gagne. Dans ce deck, ça avait l'air sensé. Ah, un Benke. Pas mal, pas mal. Donc je l'équipe. Oui, c'est pas mal déjà, Mahavailo. C'est le premier que j'ai retrouvé. Effectivement, j'avais pensé effectivement au Benke aussi. 2805. Ce petit guerrier tout à fait efficace dans son genre. Ok, je sais pas ce que ça fait. C'est-à-dire que je joue ça aussi dans mon tous deck. Tous les deux, on peut normal autant qu'on veut, mais à chaque fois on paye 500. Oui, c'est donc là, je vais payer 500 points de vie. Yes. Pour invoquer Sombre Lame. Très bien. Donc j'ai 500 en moins. Mais 800 en plus. Mais 800 en plus sur son sur Sombre Lame. Ouais, voilà. Ok. Tu l'équipes à qui? À Sombre Lame. Ok. Donc il a combien? Je t'avais dit combien? 2850, donc tu perds 450. Ok, coup dur ici pour Oxari. C'est ça, parce que là il fait deux monstres sur le terrain avec l'Union fait la force. Donc il gagne 1600. Ah ouais, attends, ouais, tu perds plus que ça. Donc je perds 800 d'attaque pour chaque monstre face recto que vous contrôlez. Donc 800 en plus. Je perds 800 en plus, ouais. Et du coup tu détruis un jeton, je suppose. Ouais, putain. Merci à vous. Eh, pas de soucis, c'est la puissance de l'union fait la force, et justement, c'est l'union de. C'est une l'union pour détruire une personne. C'est une carte que je joue au tout début de Robot Bureau parce que justement, c'était vraiment l'union. Mes petites machines les unes entre elles. C'est parfait. Ok, je connais pas du tout Robot Bureau. Bah, ça c'est un deck beaucoup plus actuel. D'accord. Vraiment beaucoup plus actuel. Mais très facile. Enfin, pas si facile à jouer que ça. Pour le jouer parfaitement. Mais pas très cher. Mais vraiment pas cher parce que voilà, c'est que des communes. Et après, c'est que des petits monstres machines à 500-500. Et ils ont tous un numéro égal à leur niveau. À toi. Ah, donc on a 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5. Il va me falloir le magicien du temps. Je sacrifie Sombre Lame pour invoquer Raiza. Non, pardon.
Très beau move ici dans le studio. Moi j'agrée. Et c'est l'ultime dragon blanc aux yeux bleus qui est joué du côté de Xari. T'as juste 3 jetons là. Ah bah ouais, des selles, hein, mais c'est quand on dit que c'était un jeu de merde, c'est. Aïe! C'est dommage que t'aies pas un petit quatrième monstre là. Ouais. Ouais. À toi. Bon, après mon jeton. Commencez à mettre un petit peu les points. Est-ce que le deck de Joey va gagner une fois au moins? Oulala. Là. C'est quoi? J'ai pas vu. Non, c'est de la merde. C'est pas si mauvais que ça. En fait, c'est dommage. C'est dommage que t'aies plus ton dragon noir aux yeux rouges. Non, parce que je pouvais pas le fusionner. Si. Ah bah si, ouais, mais. Bah regarde ton fusion deck. Hein. Oui, mais d'accord, mais il fallait que j'ai les deux. C'était chaud. Elfe mystique en attaque, je sais, vous avez pas souvent vu ça. Ouais, c'est du beau move. Bah surtout que ça buff bien tes autres monstres, quoi. Je vais faire ça et je. Et t'as combien de cartes en question, main? Question, Xari. Deux. Ouais. Pourquoi tu sais pas jouer la carte put à gauche pour essayer de tenter des trucs? Bah, je vais le faire, mais. Parce que là, de toute façon, dans cette situation, presque. Ouais, ouais, je vais le faire, hein. Je vais jouer échange, je vais regarder ta main. Surprise, et... je crois. Je veux dire, tente, hein. Tente, hein. Tu vois? Ouais, ok, d'accord, mais. Ah, mais maintenant, il a déjà invoqué en. Il a déjà. Bah, 7, ouais, il est mis en défense, c'est, ouais, ça, c'est, ça, ça, c'est ça, ça. Ça aurait pas changé grand chose, de toute façon. Vas-y, hein, choisis une carte. Voilà, attends. Tu veux pas prendre ça? C'est quoi? Symbole de l'amitié, merci. C'est très bien. Quelle puissance! Quelle puissance à ma droite! mais là, quel talent! Bon, tu prends Jinzo, je suppose. Mais c'est quoi l'autre? C'est Guildford l'éclair, ça sacrifie, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde pour toi, mais en vrai, c'est bien. Mais... Attends, d'abord, on va lire ça. Vas-y, zoom. C'est la carte situationnelle. Ça, c'est vraiment la carte la plus situationnelle au monde. Ça nous rappelle le premier épisode. Le premier épisode. Mais le symbole de l'amitié. Déjà, pour activer cette carte, tu dois la piocher pendant ta pioche normale. Et si mon adversaire contrôle 3 monstres et je contrôle pas de monstres, je la révèle, je garde révélée jusqu'à la même phase 1 et. Je peux activer cette carte depuis. Et tu peux tuto n'importe quoi de ton deck. C'est ça, n'importe quelle carte du jeu. Ouais, c'est pas mal. Ça peut être très fort. Bon, c'est un en vrai, c'est quand même prendre Jinzo, d'accord. Si je l'avais pioché là, vu que j'avais pas de monstre. Je pense que faudrait mieux le mettre dans le deck héros. Parce que vu les top decks que tu fais, elle aurait été parfaite dans le deck héros, hein. J'avoue. C'est vrai. Hein et du coup, moi j'ai pris. Attends, c'est quoi l'autre? C'est une bonne âme de Yadeniki, alors. Mais c'est 800 pour chaque monstre face recto que tu contrôles. Xari qui est en difficulté là, quand même. Je vais la prendre, parce qu'elle est plus forte pour toi. Ah oui, pour moi, elle est plus forte. Donc du coup bah je vais la prendre et puis de toute façon j'ai perdu, hein, je pense. Ah bah ouais là. À toi. Oh le deck de jouer qui ne gagne pas. Non bah le deck de jouer qui est. Qui reste combien de points de vie? Ouais 6750. Mec c'est trop con, t'aurais pu faire une bonne invocation là. Oui mais en vrai. Si t'avais pas joué le dragon noir. Hein, je paye 500. Ah mais je suis obligé. Oui. Bah, je veux pas, le garder en main. Quoi. Recul, hein. Ouais j'ai perdu là. GG mon ami. Aïe, l'amitié qui n'a pas vaincu. Attends, est-ce que je top deck le magicien? N'oubliez pas de vous rendre vos cartes. Non, moi je vais garder le Jinzo. Oh, j'avais le magicien. Hein, donc. Mec, j'avais le magicien du temps. J'en ai déjà plein. Quoi? Alors, combien de cartes il fallait que je pioche pour avoir le magicien du temps? Attention. Juste la pioche, je la dessinais. Toujours pas. Allez, j'avoue, magicien du temps, ça t'aurait aidé. Magicien du temps? Non, mais il y avait d'autres cartes qui t'aidaient, mais là. Mais oui, il y avait déjà plein de trucs. Là, il y a le Monster Reborn. Magicien du temps! Aïe aïe aïe, dommage. C'est tellement la meilleure carte. Bon, bah, c'est sympa aussi ce petit deck, hein. Yes, t'as bien rendu sa carte, Xari. Ouais, c'est bon, ouais, j'ai fait l'échange. Très bien. Eh bien, bon, écoutez, merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci à Jakiv et à Doc7 d'être venus pour faire quelques duels avec nous. N'oubliez pas, si vous regardez cette vidéo sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un abonnement pour nous suivre et soutenir la chaîne. Et bien, venez en live sur Twitch tous les mardis de 19h à 20h30 si vous avez envie de passer le pas un petit peu et de venir interagir avec nous directement sur le chat. Dans un instant, eh bien, c'est Max qui va jouer à Sea of Thieves. Le jeu vient de sortir. Donc voilà, il va essayer d'aller parcourir les 7 mers du globe pour s'amuser et vous divertir. Voilà, on donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi 19h et au revoir.